toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC. Bienvenue dans cette demeure où le Saint-Esprit se manifeste et il nous amène de profondeur en profondeur, il nous amène de gloire en gloire. Nous sommes rassemblés pour célébrer notre Dieu et lui offrir un culte que nous croyons lui sera agréable. Est-ce que tu peux regarder la personne à côté de toi? Dis-lui, sois un vrai adorateur. Le Père a besoin de toi. Aide-moi également à saluer notre famille internaute avec qui nous allons célébrer notre Dieu. Nous sommes nombreux répartis dans les quatre coins du monde pour célébrer le Dieu de gloire, lui offrir un culte que nous croyons lui sera agréable. J'aimerais encore te demander de prendre la main de ton voisin. Prends la main de ton voisin, tiens-le par la main. Nous allons faire cette prière ensemble. Disons, notre Dieu, notre Père, nous venons à toi ce matin, lavés par le sang de l'agneau, couverts par le sang de l'agneau. Nous te demandons pardon pour nos dispositions de cœur qui ne t'honorent pas. Nous voulons t'offrir un sacrifice de louange. Nous voulons t'adorer ce matin. Puisse notre adoration t'être agréable. Au nom de Jésus. Amen. Nous célébrons le Dieu, le véritable Dieu. Lui seul en est digne. Oh Père, le peuple que tu t'es racheté, viens t'honorer car tu es le Dieu très saint. Dieu très saint, tu es élevé. Chantons Dieu très saint, Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé. Tu es le Dieu très saint, tu es le Dieu tout puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu excellent. Nous voulons t'élever ce matin, sois élevé dans nos vies, sois élevé en ce lieu. Oh Dieu, nous t'élevons, Dieu très saint, comme un seul homme, nous nous tenons devant toi. Le peuple que tu t'es racheté, Seigneur, s'est assemblé en ce lieu pour t'élever, pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'honorer par nos chants. Tu es élevé, Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au son de nos voix, nous t'élevons. Nos cœurs s'inclinent devant toi pour t'élever. Nos voix s'élèvent vers toi pour t'élever. Nos mains s'élèvent vers toi pour t'élever. Nous voulons t'honorer car tu es le Dieu élevé, élevé. Élevé, tu es élevé, au-dessus de la terre tu es élevé, dans les cieux tu es élevé, en tout lieu tu es élevé, comme l'eau couvre la mer, ta gloire recouvrira toute la terre car tu es, oui tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, tu es élevé, oh notre Dieu, tu es élevé, tu es élevé, 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 tu es élevé, disons Dieu très saint.
es célébré en ce lieu. Tu es célébré dans l'assemblée des fidèles. Tu es célébré dans l'assemblée des rachetés. Tu es célébré dans l'assemblée des divinités. Tu es célébré dans l'assemblée des rois. Nous voulons te célébrer ce matin. Car tu es notre Dieu, tu es notre source. Oui, Dieu très saint. Tu es célébré. Nous te célébrons. Par l'attitude de nos cœurs, nous t'honorons. Par notre posture, nous te révérons, Dieu très saint. Tu es célébré, mon Dieu très saint. Tu es célébré, célébré. Nous te célébrons, divin roi. Nous te célébrons, agneau de Dieu. Toi qui t'es donné en sacrifice pour nous, toi qui nous as tant aimés, au point de donner ta vie en sacrifice, tu es digne de notre célébration, tu es digne de notre contemplation, tu es célébré en ce lieu, tu es célébré en ce lieu, en ce lieu, dans nos vies, tu es célébré, tu es célébré. Célébré, Seigneur, tu es célébré, oh, tu es célébré dans nos vies, tu es célébré, tu es accueilli, accueilli, tu es accueilli, oh Seigneur, fais ton entrée par ton esprit, déploie ta présence, oh Seigneur, allume le feu de ta sainteté. Consume le sacrifice que nous sommes, nous offrons en sacrifice, saint et agréable, tu es accueilli, nous t'accueillons au son de nos voix, nous t'accueillons le cœur disposé, afin de t'offrir le culte que tu attends de nous, afin de manifester au travers de nous. Les vrais adorateurs que tu cherches, ceux-là qui t'offrent l'adoration selon ton cœur, ceux-là qui t'offrent l'adoration spirituelle, ceux-là qui t'offrent l'adoration en esprit, tu es accueilli, Esprit de Dieu, tu es accueilli en ce lieu, fais ton entrée en ce lieu, tu es acclamé, acclamé, nous t'acclamons, Esprit de Dieu. Nous t'acclamons par la clé, nous t'acclamons Seigneur, oh nous t'acclamons, tu es acclamé, reçois nos acclamations, reçois-les favorablement, qu'elles te soient agréables, oh tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé. Tu es acclamé, oh nous t'acclamons, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, nous t'acclamons, tu es acclamé, tu es adoré, 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 tu es adoré en ce lieu, adoré, nous voulons t'adorer en esprit, adoré, nous voulons t'adorer en vérité, adoré. Nous voulons être le sacrifice. Adoré, et nous voulons nous répandre sur ton autel. Adoré, et que ton feu consume le sacrifice que adoré, nous sommes. Que le feu de ta sainteté nous consume. Adoré, purifie nos cœurs de toute souillure. Adoré, nous voulons t'adorer. Adoré, que le sang de Jésus nous couvre et nous lave. Adoré, nous voulons nous offrir en sacrifice. Adoré, nous voulons que notre sacrifice te soit agréable. Nous voulons t'adorer. Laisse-nous t'adorer. Nous voulons t'adorer. Magnifier, magnifier. Tu es magnifié en ce lieu. Tu es magnifié. Et tu révèles ta gloire. Toute ta gloire, tu la révèles. Tu la révèles en ce lieu. Et tu la déploies. Et partout. Où tu es célébré, partout, sur cette terre.
cette terre où tu es honoré. Tu déploies ta présence et tu déploies ta puissance. Oh, tu es magnifié. Magnifié est le Seigneur. Magnifié notre Dieu. Tu es magnifié. Magnifié. Tu es magnifié. Magnifié est le Seigneur, saint est le Seigneur, glorieux est le Seigneur, majestueux est le Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que Jésus. Il est le seul et véritable Dieu. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, elle est devenue la pierre angulaire. Il n'y a point d'autre nom, nous dit la Bible, qui nous a été donné par lequel les hommes sont sauvés. Mais c'est simplement par le précieux nom de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Il est la source de toute chose. Il est la source de toute vie. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le triomphe. Il est la victoire. Il est la vie. Il est la résurrection. Il est le chemin. Il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de lui, la Bible déclare que la plénitude de Dieu était en lui. Celui qui veut voir et connaître Dieu ne peut le voir et ne le connaître qu'au travers de Jésus-Christ. En lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Nous allons chanter. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Si tel est le chant qui monte dans ton cœur, élève la voix et chante avec nous ce matin. Nous reconnaissons qu'il est le Créateur. Créateur de toutes choses. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. Avant toi, point d'autre Dieu que notre Dieu. Tu es le Créateur. Par ta parole puissante, tu as créé toutes choses. Par ta parole, tu as appelé des choses qui n'existaient pas. Et elles ont existé. Car tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu rappelles à la vie ce qui était mort. Tu ressuscites ce qui était mort. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où commence ta puissance. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où commence ton intelligence. Là où la sagesse des hommes trouve ses limites, c'est là où ta sagesse commence. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le Créateur, la source de toute vie, l'origine de toute vie. C'est toi, Seigneur, il n'y en a point d'autre Dieu. Point d'autre Dieu que toi, car tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, tu es Alpha, Omega, Alpha, Omega, Omega. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, nul ne peut recevoir le qualificatif. C'est toi qui accomplis des signes, des miracles, des prodiges au milieu de ton peuple. Tu es Alpha, Omega, Alpha, Omega, Omega, le commencement et la fin de toutes choses. Toute vie sur cette terre prend sa source en toi. Toute vie dans l'univers prend sa source et tire sa source en toi. Tu es Alpha et Omega. Il n'a point d'autre.
Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. À part toi, il n'y a point de Dieu. Les autres ne sont que des idoles. Les autres ne sont que des idoles. Ils ont des yeux mais ne peuvent voir. Ils ont des mains mais ne peuvent se toucher pour sauver. Ils ont des oreilles mais ils ne peuvent entendre. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu règnes sur tous ceux qui règnent. Tu es le propriétaire de tous les propriétaires. En dehors de toi, il n'y a pas de divinité. En dehors de toi, il n'y a pas de sagesse. En dehors de toi, il n'y a pas de profondeur. En dehors de toi, il n'y a pas de révélation, de mystère caché. Toi seul est Dieu, et nous disons Alpha Omega. Omega. Avant toi, il n'y a point d'autre Dieu. Toi qui commences toute œuvre et qui l'achève parfaitement, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer et nous disons Alpha Omega, oh Alpha Omega, à part toi il n'y a point d'autre Dieu. Ce matin et célèbre ce Dieu, célèbre-le. Il n'y a pas son pareil, il n'y a pas son pareil. Il est admirable, il est incomparable, il est majestueux, il est glorieux. Nul ne peut se mesurer à lui, rien ne peut se mesurer à sa puissance. Chantons qu'il est l'alpha et l'oméga, il est la source de toute vie. Qui se trouve dans l'univers tire sa source dans lui. Oh, nous disons qu'il est l'alpha et l'oméga. Oméga, oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Son nom est Jésus le Christ. Il est Jésus le Christ. Il est le Messie qui vient de Sion. En lui, par lui et pour lui. Tout a été créé, il est l'alpha et l'oméga, oh, oméga, assemblé en ce lieu, nos voix célèbres, pour célébrer l'alpha et l'oméga, et nous disons alpha, oméga, tu es notre source, tu es notre vie, notre capacité, tu es notre pouvoir. Tu es notre force, nous te célébrons et nous disons Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Qui peut se comparer à notre Dieu? Qui peut se tenir face à notre Dieu? Il a terrassé tous ses ennemis et ils sont sous nos pieds. Il est le Dieu conquérant, il est le Dieu triomphant. Nous disons Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Non, non, il est l'Alpha et l'Oméga, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai cherché autour de moi, je n'ai rien trouvé, Seigneur. Oh, mais lorsque tu es venu à moi, lorsque toi tu m'as trouvé, alors tout a changé. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre amour, il n'y a pas d'autre passion, il n'y a pas d'autre consolateur. Voilà pourquoi mon cœur veut te révéler ce matin. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. En dehors de toi, il n'y a aucune gloire. En dehors de toi, il n'y a pas de joie. Je veux te louer, toi mon bienfaiteur, mon souverain sacrificateur, toi qui as payé le prix ultime pour ma vie, toi qui as versé ton sang. Je veux t'adorer ce matin par cette louange, par mes acclamations, par
soupir de mon cœur, je veux dire que tu es le commencement et la fin de ma destinée. Le commencement et la fin de mon histoire. En dehors de toi, nous n'avons rien trouvé de bon. Voilà pourquoi nous sommes venus encore ce matin. Alpha, Omega, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Voilà pourquoi je veux me sacrifier. Voilà pourquoi je veux être ce sacrifice de bonne odeur ce matin. Je veux lever mes mains pour l'adorer. Je veux lever mes mains pour le célébrer. Tourner mon regard vers celui qui me donnera la paix, qui me donnera la joie, qui me donnera l'amour. Ok, les bails. Alpha, Omega. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et je veux t'acclamer. Et je veux te célébrer. Je veux chanter. Le redire dans mon cœur, le repasser dans mon cœur, le ressasser dans mon cœur. Je veux me souvenir qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. En dehors de toi, il n'y a pas de distinction. Tu es notre différence. Tu es notre secret. Tu es notre miracle. Et tu es venu habiter dans nos cœurs. Le miracle, c'est que tu as choisi de venir vivre dans des vases de terre. C'est pour cela que nous voulons encore acclamer ton nom, célébrer ton nom, honorer ton nom ce matin. Pousser des cris de joie vers toi, notre bienfaiteur, celui qui a payé le prix ultime. Reçois toute notre adoration, reçois toute notre louange ce matin. Alléluia, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans l'une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin? Est-ce que nous pouvons encore acclamer la divine présence de notre Dieu? Amen, nous sommes dans la joie ce matin. Et nous voulons accueillir ensemble tous nos bien-aimés qui sont en communion avec nous au travers des nouvelles technologies. Est-ce que nous pouvons les saluer? La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble et que c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Donc nous sommes heureux de partager ce culte de célébration avec vous. Amen. Bien-aimé, avant de bien vouloir prendre place, peux-tu saluer la personne de valeur qui se trouve à tes côtés? Dis-lui, tu es la bonne personne. Dieu a un projet pour toi. Amen. Nous pouvons prendre place dans la présence de notre Dieu. Nous avons des informations importantes à vous communiquer ce matin. Et pour cela, nous voulons prendre quelques minutes de votre précieux temps. Donc prendre quelques minutes de votre attention. Nous vous laissons découvrir toutes ces bonnes nouvelles en images. Bonjour et bienvenue pour nos annonces de la semaine à Impact Centre Chrétien, campus de Paris. Impact Centre Chrétien a le plaisir de vous convier à la 9e édition d'Impact Conférence des Femmes 2016 sur le thème « Irradiation divine ». Nous recevrons des oratrices d'exception, dont le pasteur Yemisi Ashimolowo de KICC Londres, avec la participation de nos pasteurs hôtes, les pasteurs Modestine et Abby Castanou, au campus de Paris à Boissy-Saint-Léger. Cette année, pour la toute première fois, nous aurons la participation de notre pasteur principal d'Impact Centre Chrétien, le pasteur Yvan Castanou. Nous nous réjouissons d'avance pour ces moments forts que nous passerons dans la présence de Dieu. Nous nous retrouverons mercredi 26 octobre de 18h30 à 21h30, jeudi 27 et vendredi 28 octobre, nous aurons deux sessions de 18h à 22h. Enfin, samedi 29 octobre, nous aurons une session unique de 14h à 17h. Afin de préparer ces temps forts, toutes les femmes sont conviées le vendredi 14 octobre prochain pour un temps de prière corporative après atmosphère de gloire dans la salle annexe. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à femmes@impactcentrechrétien.com. Le département On est ensemble du ministère de la Solidarité, des œuvres sociales et humanitaires organise en faveur des plus démunis une méga collecte de vêtements, chaussures et matériel scolaire à
après chaque culte à l'extérieur de l'auditorium les dimanches 16 et 23 octobre 2016. Comme nous ne donnons pas à autrui ce que nous n'accepterions pas nous-mêmes, nous savons que ce qui sera donné sera en bon état. Nous insistons sur le fait qu'après ces dates, aucun effet ne sera accepté par manque de local de stockage. Nous vous invitons donc à participer à la collecte uniquement les dimanches 16 et 23 octobre. Pour toute information, un stand est mis à votre disposition à l'extérieur de l'auditorium. Vous pouvez également écrire à l'adresse email suivante onestensemble@impactcentrechretien.com. Vous avez été nombreux à avoir fait le choix le plus important de votre vie, celui de suivre Jésus-Christ en répondant à l'appel au salut lors d'un de nos cultes. Afin de vous aider au mieux dans votre croissance spirituelle, nous vous invitons à venir assister au programme de formation de 4 semaines qui s'intitule « Bienvenue dans le royaume » et qui vous aidera dans vos premiers pas dans le royaume. Ce cours entièrement gratuit débutera ce dimanche 9 octobre de 14h à 16h dans la salle annexe. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à l'adresse email suivante intégration@impactcentrechretien.com. Nous vous informons que les inscriptions au département du soutien scolaire se poursuivent. Si vous préparez un examen, un concours ou si vous avez simplement besoin d'aide dans une matière de votre scolarité, mathématiques, physique, chimie, langue, etc., le département du soutien scolaire, CFP, vous accueille aux permanences de soutien scolaire les samedis de 10h30 à 12h30 au 22 rue du 8 mai 1945 à Boissy-Saint-Léger. Pour faciliter vos inscriptions, nous vous convions aux journées portes ouvertes qui auront lieu les samedis 22 et 29 octobre 2016, toujours au 22 rue du 8 mai 1945 à Boissy-Saint-Léger. Donnez-vous les moyens de la réussite en vous préparant efficacement. Par ailleurs, si vous avez à cœur de contribuer à la réussite scolaire des étudiants de tout âge, en intervenant dans les matières comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, la gestion, la comptabilité, le français, l'histoire ou la géographie, vous êtes également attendu lors des journées portes ouvertes des samedis 22 et 29 octobre prochains. Vous pouvez dès à présent vous inscrire et obtenir plus d'informations en écrivant à l'adresse email suivante cfp@impactcentrechretien.com. Le ministère des célibataires épanouis et productifs convie tous les célibataires à deux moments forts, la retraite intercampus et le prochain atelier des célibataires. La retraite intercampus aura lieu du vendredi 11 novembre au dimanche 13 novembre 2016 au domaine des Élandes, 76 280 Angerville-Lorcher en Normandie. Cette retraite est ouverte aux célibataires de tous les campus et familles ICC de France. Les inscriptions sont ouvertes et nous vous invitons à vous inscrire sans plus tarder car les places sont limitées. L'atelier des célibataires se tiendra le samedi 22 octobre de 18h à 21h au campus de Paris. Plus d'informations vous seront communiquées très prochainement. Pour vous inscrire à la retraite ou pour toute autre information, un stand est mis à votre disposition dans la salle annexe. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse email suivante célibatant@impactcentrechretien.com. Nous vous remercions d'avoir été attentifs à nos annonces et nous vous souhaitons un excellent cours. Amen. Amen. Nous voulons noter toutes ces très bonnes nouvelles. Et à ces nouvelles, nous voulons en ajouter une qui est très importante. Nous voulons informer toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées à ICC. Nous voulons les convier à un moment de communion fraternelle, à un moment de partage avec le pasteur Ivan et le conseil pastoral. Donc toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées à ICC sont conviées le mercredi prochain, mercredi 19 octobre 2016, de 19h15 à 21h45, donc pour partager un cocktail qui vous sera gracieusement offert et pour échanger avec vous. Amen. Donc les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire à la fin de ce moment au stand qui est prévu à cet effet, ou à vous inscrire à l'adresse suivante qui est intégration@impactcentrechretien.com. Amen. Nous voulons passer maintenant à un autre moment important de notre culte, qui est de nous approcher de la table du Seigneur. Donc nous demandons à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion et qui se sont préparées pour ce moment à bien vouloir se tenir debout. J'ai la vie de Dieu en moi.
Je réalise que j'ai la vie de Christ à l'intérieur de moi. J'ai la vie Zoé de Dieu en moi, la vie abondante de Dieu à l'intérieur de moi. Alors que nous voulons nous approcher de la table du Seigneur, alors que nous voulons nous approcher du prix qui a été payé, du sang de Jésus qui a été versé et de son corps qui a été brisé, nous voulons réaliser la puissance qu'il y a dans la vie de Christ, la puissance qu'il y a dans la vie sacrifiée de Jésus-Christ à la croix. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci parce que tu es le pain de vie, Seigneur. Merci parce que ton sang, Seigneur, est un breuvage et parce que ton corps est une nourriture. Nous voulons le réaliser. Aussi cela que peut paraître fou, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, nous confier, Seigneur, en cette recommandation que tu nous as donnée, qui est de nous approcher de la table du Seigneur. Merci parce que tu nous as appelés à la table des rois. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce infinie. Nous sommes reconnaissants. Alors que nous nous approchons de toi, nous voulons regarder au-dedans de nous, Seigneur. Nous voulons considérer, Seigneur, ta présence. Nous voulons considérer le Saint-Esprit. Nous voulons considérer le prix payé. Et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Jésus en moi. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 11, 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps qui a été battu pour nous, qui a été crucifié à la croix pour nous, qui a été blessé pour nous. Merci parce que ce pain que nous tenons, parce que nous avons rendu grâce, est désormais ton corps et nous voulons le prendre avec action de grâce. Bien-aimés, prenons ensemble le corps de notre Seigneur Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Merci pour la coupe de la nouvelle alliance. Merci pour le sang versé. Le précieux sang de Jésus versé à la croix pour moi. Le précieux sang de Jésus versé pour mon frère, pour ma sœur. Merci parce que le fruit de la vigne devient maintenant le sang de Jésus. Ce sang qui a la capacité de déraciner toute forme de maladie, d'enlever toute forme d'oppression, de changer même le sang qui avait été contaminé en un sang saint. Nous voulons rendre grâce pour le sang de Jésus-Christ. Nous voulons, bien aimés, prendre ensemble le sang de notre Seigneur Jésus. Prenons ensemble le sang du Seigneur Jésus. Maintenant que nous avons pris le corps et le sang de Jésus-Christ, nous pouvons chanter ce cantique de tout notre cœur. Nous pouvons réaliser que sa vie est manifestée à l'intérieur de nous. Oh non, il n'y a pas besoin de plus que le sang de Jésus, le précieux sang de Christ qui parle plus fort que le sang d'Abel maintenant à l'intérieur de nous-mêmes. Le sang qui crie la délivrance, le sang qui crie la victoire, la restauration, le sang qui crie l'autorité de Christ à l'intérieur de nous, le sang qui emmène la gloire de Dieu à l'intérieur de nous. Nous voulons t'acclamer, Seigneur Jésus, pour le prix payé, pour le sang de Jésus. Merci pour les restaurations et les délivrances que tu fais dans nos cœurs, dans nos corps. À toi toute la louange, à toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous voulons dire Amen, Amen et Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Nous voulons
voulons maintenant passer à un autre moment important de notre culte. Nous voulons passer à ce moment dans la joie. Alléluia. C'est le moment d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du trésor. Et nous invitons toute notre famille qui est en communion avec nous au travers des nouvelles technologies à partager ce moment avec nous, à participer à ce moment avec nous. Amen. Nous sommes les adorateurs de Dieu. Amen. Et nous voulons que cet acte que nous allons poser, qui est d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du trésor, soit une adoration, un sacrifice de bonne odeur qui monte vers le trône de la grâce. Et pour poser cet acte, nous voulons nous remémorer du sacrifice ultime. Nous voulons nous souvenir, comme la Bible le dit en Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que toi et moi, nous ne périssions point. Et ça, c'est le sacrifice ultime que Dieu a fait. En tant qu'adorateur, lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous donnons souvent des sacrifices. Nous donnons le sacrifice de nos vies. Parce que lorsque tu travailles, finalement, tu donnes un peu de ta vie. Et le salaire que tu retires de ce travail est en réalité une partie de ta vie. Alors Seigneur, avec amour et révérence, nous voulons t'apporter nos sacrifices. Nous voulons t'apporter une part de notre vie ce matin. Nous voulons te rendre un culte d'adoration complet et parfait ce matin, en t'apportant ces offrandes de tout notre cœur. Tout ce que nous avons mis à part pour toi, reçois-le Seigneur. Qu'il monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et que ton nom soit glorifié au travers des peuples et de toutes les nations de la terre. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, avec action de grâce. Et nous voulons te dire Amen, Amen et Amen. Et nous voulons encore acclamer notre Dieu. Amen. Acclamons notre Dieu. Célébrons le Dieu qui règne, le Dieu que la mort n'a pas pu retenir. Il est sorti vainqueur et triomphant. Si tu le crois ce matin, chante avec nous, car notre Dieu règne. Oui, Dieu, oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Quelles que soient les circonstances de ma vie, quelles que soient les saisons de ma vie, je sais que mon Dieu règne. Pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Peuple, réjouis-toi. Car ton Dieu règne, oui, Dieu règne. Mon Rédempteur est vivant. Même le dernier jour, il se lèvera. Il a triomphé de mes ennemis. Pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Peuple, réjouis-toi. Par ton Dieu, les cieux proclament sa justice. Les cieux proclament
à jamais, ce trône est établi dans la francophonie et sur l'univers tout entier. Oh, oh, oh notre Dieu, son trône, son trône, sur la justice, son trône est fondé sur l'équité. Encore une fois, son trône est fondé. Son trône n'a pas de fin, son règne n'a pas de fin. Sur la justice et son sang, il crie en notre faveur et il renverse les autels sataniques et les autels des ténèbres érigés contre nous. Parce que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Certains d'entre nous, il y a un désir de la profondeur. Il y a un désir de profondeur, de consistance. Je crois que le temps de l'église qui est légère, l'église prend conscience de la réalité de la guerre spirituelle. Et je vois une église qui en a assez de maladies, assez de tourments, assez de la mort qui cause des ravages, assez de se voir victime, vaincue, impuissante. Et il y a une église qui est en train de soupirer et qui est en train d'enfanter une nouvelle dimension de Dieu, de la gloire, de sa visibilité. C'est une église qui a compris que cela se fera uniquement à travers le peuple, la race des véritables adorateurs. Il y a une église qui en a assez de la superficialité et qui a décidé de devenir un sacrifice vivant à travers lequel Dieu va apparaître dans son époque, dans sa famille et dans sa génération. Il y a une église qui soupire pour plus de sa réalité, qui ne se contente plus de chanter, mais qui veut l'expérience de Christ et qui veut la profondeur de Dieu et qui désire et qui soupire et qui gémit ardemment. Que le Saint-Esprit l'emmène dans les profondeurs de l'intimité, de la révélation, de la connaissance et de la puissance.
C'est notre pas. Voilà pourquoi nous prions. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Père, tu m'emmènes. Dans les profondeurs, dans les profondeurs, il est beau saint, saint. Oh, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, Père, je te prie. De gloire en gloire, emmène-moi dans les profondeurs de la révélation. Disons, dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta révélation, afin que le voile soit déchiré et que tu apparaisses dans ma vie. De gloire en gloire, de gloire en gloire, ah, ma paix. Entends le soupir d'un cœur, tu m'emmènes, emmènes, emmènes. Dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta révélation, accorde-moi de te connaître, de t'expérimenter, de te voir, de te vivre. Apparaît dans ma vie, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Les bravos, Satan et les bravos, oh, tu m'emmènes dans les profondeurs. Je refuse la surface dans les profondeurs. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Emmène-moi dans les profondeurs de l'adoration. Dans les profondeurs de l'adoration. L'adoration véritable. Tu m'emmènes dans les profondeurs de l'adoration. De ton adoration, de ton adoration, tu m'emmènes. Oh, je ne veux plus adorer en fausseté. Je ne veux plus adorer avec la chair. Je te prie. Oh Père, je te prie. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Allez, les babos. Dans les profondeurs de l'adoration véritable. Finis les hypocrites. Finis la superficialité. Allons, allons dans les profondeurs de l'adoration. L'adoration qui déclenche le feu de gloire en gloire. L'adoration qui fait atterrir le feu. J'ai besoin de feu. J'ai besoin d'être embrasé. J'ai besoin de feu. Les tatarabos. Dans les profondeurs de ta de l'adoration. De ton adoration. Qui finit l'époque où nous on se contentait de chanter seulement, où on résumait l'adoration au chant. Allons dans les profondeurs, la véritable adoration est plus profonde que le chant. Elle contient le chant, mais elle ne s'arrête pas. Dans les profondeurs, c'est l'adoration, adoration véritable. De gloire, de gloire, oh, à ma paix. Délivre l'Église de la mollesse, de la tiédeur. Délivre l'Église de la victimisation. Délivre l'Église de l'hypocrisie. Délivre l'Église de l'insignifiance. Délivre l'Église de l'indifférence. Délivre l'Église du manque de pacte, du manque de saveur, du manque de feu, du manque de feu. Délivre. Voilà pourquoi il faut que tu nous emmènes. Il faut que tu emmènes dans les profondeurs de l'adoration. Aïe, papa, délivre la rose, Satana. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, amène-moi, avec les mots sur ma barre de et la rose, c'est le temps de l'adoration, tu emmènes l'église dans les profondeurs, dans les profondeurs.
de l'adoration. Amen, amen. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs de l'adoration. Tu emmènes ton église. Ton église. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ton adoration. Tu emmènes ton église. Te supplions, ah, bâtis cette église, bâtis cette église de fils, bâtis cette église que la création attend avec un ardent désir de voir manifester. Bâtis cette église que l'enfer redoute. Bâtis cette église, sacrata de démons dans les profonds. Bâtis cette église. Oh. Amen, amen. Délivre-nous de la religiosité. Délivre-nous de l'hypocrisie, la superficialité, l'absence d'impact et de résultat, du manque de saveur. Mais amène-nous dans les profondeurs de l'adoration. Amène-nous dans les profondeurs de ta révélation. Dans les profondeurs de ta révélation. De ta révélation. Tu emmènes. Ah, voilà, dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Tu emmènes. Amène l'église. Dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans les bouches, dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans les profondeurs, tu emmènes ton église, ton église, dans les profondeurs. Large, plus 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 large, dans la connaissance, plus large, plus large, plus large, Père de ton amour, plus large, oh, emmène-nous plus large, plus long, plus long, plus long, plus long, plus long. Père en longueur, oh, mène-nous, oh, mène en longueur, oh, mène en longueur, plus long, plus long, et tire-nous de tous côtés, ah, ma gâte, oh, mène-nous, entraîne-nous, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Amen. Malé patale de vos sonarabos.
qui nous retenait au sol soit brisé. Entraînez-nous. Délivre de la mentalité de l'échec, des excuses, délivre de la fausseté. Entraînez-nous plus haut, plus haut. Oh, nous te prions. Profond, emmène-nous. Profond, dans les profondeurs. Profond, emmène-nous. Longueur, largeur, hauteur. Profondeur de l'amour de Dieu. Jusqu'à être rempli de la plénitude de Dieu. Profond, Père, entraîne-nous. Profond. Plus large. Fais de l'espace. Déploie-nous de tous côtés. Déploie nos vies. Déploie nos destinées. Et tire plus large. Père, emmène-nous. L'adoration charnelle. J'ai besoin de ton feu. Il faut que ton feu atterrisse comme jamais auparavant. Voilà pourquoi il faut que le sacrifice devienne vrai et devienne spirituel. Il ne peut plus être superficiel. Il ne peut plus être faux, non. Emmène-nous. Il est véritable, une personne qui en voit de devenir un véritable adorateur, qui a envie de faire monter les clameurs. Ce ne sont pas les clameurs d'une personne qui a atteint la dimension espérée, désirée. Les études accélérées, ce sont les acclamations d'une personne qui est en chemin, qui n'a pas atteint la perfection, mais rejetant ce qui est en arrière, qui court vers le but, qui court vers le but, qui court. Dans les profondeurs de ta révélation, tu m'as ton église. De ton adoration, tu m'emmènes. Ah. Si c'est ton cas, peux-tu lever la main et dire dans les profondeurs, quelle que soit la salle où tu te trouves, les salles annexes, dans l'auditorium ou sur internet. As-tu juste envie de dire, je ne sais pas pour mon voisin, mais moi je ne reste pas là où j'étais en arrière.
rejetant ce qui est en arrière, je cours vers l'avant. Dans les profondeurs, aria de l'amour. Si tu as l'impression que je suis devenu quelqu'un de différent, si hier je me complaisais, je prenais plaisir en mensonge, à la fausseté, à la duplicité, aux cachettes, ce temps est révolu. Désormais est née une nouvelle personne qui marche dans la vérité, qui marche dans la sincérité, qui a enlevé les masques, qui a arrêté la comédie. Parce que dans les profondeurs de ton adoration, dans les profondeurs, cette main levée est un signe d'agrément. C'est une manière de dire de moi-même, je n'ai pas la capacité. Je suis d'accord, mais je ne sais pas comment on fait. Mais en levant la main, dans les profondeurs, je déclare, dans les profondeurs de l'adoration, c'est toi qui emmènes. Dans les profondeurs de ton adoration, tu es en paix. Oh, je t'en prie, cette main levée est un message. Dans les profondeurs de ton adoration, tu es en paix. Pas un chant que nous chantions, c'était une adoration que nous offrions, c'était des sacrifices qui étaient en train de s'abandonner avec des supplications, des cris du cœur qui disent ne me laisse pas là où je suis, je t'en prie. C'est la volonté mais pas la capacité, mais la capacité. Notre capacité vient de toi. Ne laisse pas l'église, ton église, à la dimension où elle est. Emmène-la dans tes profondeurs. Et la parole que tu envoies révèle le plan que tu prépares. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quelles que soient les montagnes qui subsistaient dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui, je suis venu te dire, ne cède pas, ne baisse pas les bras, ne jette pas l'éponge. Il y a une dimension de la véritable adoration qui envoie un feu. C'est juste une question d'intensité du feu. Ce feu arrive. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce feu arrive parce qu'il aura trouvé un peuple avec des dispositions de cœur différentes. Merci, Père. Bâtis cette église pour laquelle tu as dit je bâtirai mon église. Cette église où les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, les assauts de l'enfer, les ruses de l'enfer, les maladies de l'enfer, les tourments de l'enfer ne prévalent plus jamais. Bâtis cette église, consacre cette église. Nous t'implorons, nous te supplions. Au-delà des chants, des prédications, des sermons, des messages, bâtis cette église. Esprit de Jésus, nous attendons à toi. Ah, Esprit de Jésus, toi qui étais depuis le commencement, Esprit,
de Jésus qui te mouvait sur la surface des eaux, meut-toi encore aujourd'hui dans les vies, dans les phases de terre que nous sommes. Toi qui, à travers Jésus, faisais tout à merveille, ne laisse pas nos vies où elles sont. Et il faut que le merveilleux soit visible dans tous les domaines de nos vies. Il en va de la crédibilité du témoignage. Il en va de la beauté du modèle d'exposition. Fais ton œuvre. Envoie ta parole. Te supplions. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi imploré, supplié, adoré. Avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Amen à ses paroles. Amen à ton œuvre dans nos vies. Amen à l'émergence des véritables adorateurs. À la profondeur, à la largeur, à la longueur et à la hauteur. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, y a-t-il une personne, y a-t-il une personne qui est en voie de devenir un véritable adorateur, qui a envie d'exprimer son Christ à faire preuve, son agrément, son allégeance. Bienvenue à un Pax Entretien, bienvenue à chacun d'entre vous qui est content d'être dans sa présence ce matin, qui est content d'être connecté dans toutes les salles à travers Internet. C'est une grande famille qui est connectée, pour laquelle nous voulons célébrer Dieu et souhaiter la bienvenue à vous qui êtes en direct, parce que vous ne pouvez pas vous rendre dans une bonne église locale à côté de chez vous. Et que nous, donc, nous comprenons cela, nous disons que vous êtes vraiment les bienvenus. Nous sommes une grande famille et nous sommes fiers d'être en communion avec vous chaque semaine, chaque dimanche, et d'être ensemble étirés, déployés et transformés par le Saint-Esprit. C'est un honneur et un privilège d'appartenir à cette famille Impact Centre Chrétien, cette famille de Dieu. Amen. Voilà. Acclame le Seigneur encore pour toi-même. Acclame le Seigneur pour ceux qui sont connectés dans tous les sites de ce campus. J'ai une pensée particulière pour la famille Impact Centre Chrétien de Munich qui est connectée avec nous. Munich, nous vous saluons au nom de Jésus. Vous êtes connectés à la bonne fréquence et nous sommes ravis d'être ensemble. Quelqu'un me dit amen, amen, amen. Voilà, avant de t'asseoir, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Je veux que tu dises à ton voisin ou à ta voisine, je ne sais pas pour toi, dis-lui, je ne sais pas pour toi. Mais nous, on a fini de jouer. Voilà. Si toi, tu veux encore jouer avec la fausseté, la manipulation, tout ça, là, joue. Nous, on n'a plus le temps. Nous, on a une guerre à livrer, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis-lui encore à ton voisin, ta voisine, je ne sais pas pour toi, mais nous, on n'a plus le temps de jouer. Si tu veux jouer, va jouer ailleurs. Moi, j'ai fini avec les jeux de manipulation, de fausseté. Ça ne te fatigue pas, non? Écoute, il y a une guerre dehors. Il y a une guerre dehors.
Je ne sais pas pour toi, mais j'en ai assez de voir des gens jeunes mourir prématurément. Bonne santé, soudainement décapité. Il est parti. J'en ai assez de voir des hôtels sataniques établis dans les familles, dans les pays, dans les régions, dans les villes, qui kidnappent les gens. Il y en a assez. Il faut bien que quelqu'un se lève et devienne l'instrument à travers lequel ce carnage va s'arrêter. Parce que Dieu doit apparaître. Dieu en a assez. Et quand il en a assez, il cherche un véhicule. Je prie que ce soit toi qu'il trouve au nom de Jésus. Dieu en a assez. Il y en a assez de ces ravages. À chaque fois, tu entends un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Mais il y en a, il meurt, c'est, tu comprends. Mais il y en a, il meurt, tu sais que ce n'est pas normal. Parfois, ce n'est pas la mort physique. Parfois, c'est juste, tu sens un carnage. Fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Il faut que ça s'arrête quand même. En train de bloquer, bloquer, bloquer. Sœur, sœur, bloquer. Telle sœur, bloquer. Non. Même famille, non. Il faut que ça s'arrête. Je décide que ça s'arrête dans cette saison. Ça n'arrivera pas jusqu'à la prochaine saison au nom de Jésus. Il y en a assez de voir les mêmes carnages. Les enfants immoraux, impudiques, couche à gauche, couche à droite, les sœurs, les frères. Mais tout ça, ce sont des hôtels qui sont en train de parler et de contrôler les familles. Et de la même manière que ces hôtels sataniques, qu'ils soient familiales ou territoriales, contrôler les familles, ta famille. Il faut qu'à travers ta vie et ma vie, un hôtel soit bâti, dressé à Dieu. Mais que cet hôtel contrôle tous les membres de ta famille. Et que tous les membres de ta famille soient divinement réquisitionnés. Une main invisible les attrape. Et dit à cause des prières de cet homme, je te réquisitionne. Tu voulais aller en enfer, mais tu n'iras pas en enfer. Tu voulais marcher dans l'homosexualité, mais tu ne seras pas homosexuel. Une main t'attrapera. Tu voulais être impudique, immoral, adultère. Mais la main de l'Esprit de sainteté t'attrape et te met au pas. De toutes les manières, je préfère être mis au pas par l'esprit de sainteté que par l'esprit d'impureté. Quand l'esprit de sainteté te prend et te met au pas, tu seras saint comme je suis saint. Tu dis yes sir. Et quand un serpent a sonné, une race de vipères, une séductrice ou un séducteur essaie de t'embrouiller, tout de suite il y a un feu qui montre. Les fictions que tu vois à la télé là, ça c'est rien. Le vrai feu, c'est ce qui montre de mon homme intérieur. Mon chante. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit de rester sur ce message de la véritable adoration. Parce que nous avons vu qu'une personne qui n'est pas un véritable adorateur n'est pas qualifiée pour triompher de la guerre spirituelle. Il y a une guerre dehors. Frère, ce que tu vois, ma soeur, dehors, là, c'est une guerre. Le monde est en guerre. Tu le vois physiquement, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu vois cette guerre physique, c'est parce qu'il y a une guerre spirituelle. Il y a des suceurs de sang. Si la guerre spirituelle n'est pas remportée physiquement, rien ne changera. Il y a une guerre dehors. La méchanceté n'a plus de frontières. Elle est partout. Et là où l'Occident se croyait à l'abri, elle est venue maintenant montrer à l'Occident qu'elle est implantée et elle est assise là. Il y a une guerre. Il y a une guerre dans ta famille pour contrôler les membres de ta famille. Mais il faut que tu sois la personne sur laquelle cette guerre a été remportée par Jésus. Il ne faut pas que tu sois la personne qui va à l'église, qui prie, mais qui est encore vaincue, emprisonnée, captive. C'est fini. Tu sors de ces prisons au nom de Jésus. Il faut bien que quelqu'un commence à récupérer la famille. Et ça commence par la détermination à devenir un véritable adorateur. Seuls les véritables adorateurs sont capables de triompher de la guerre spirituelle qui a lieu contre la chair, contre le monde, contre les hôtels familiaux, les hôtels territoriaux qui veulent le contrôler. Seuls les véritables adorateurs sont capables de triompher. Ceux qui ne sont pas véritables adorateurs, qui sont juste des croyants, ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont pas embrasés. Le feu ne les a pas consumés de la tête aux pieds. Les véritables adorateurs sont ceux dont l'adoration est agréée. Et en retour, un feu vient sur eux et fait d'eux des hommes et des femmes embrasés. Une personne embrasée est une personne inarrêtable. Parce que quand tu veux l'arrêter, le feu te brûle.
je déclare que tu seras cette personne embrasée au nom de Jésus. Quand on veut t'arrêter, la personne qui veut t'arrêter brûle. L'esprit qui vient te visiter la nuit pour te faire manger, dès qu'il essaie d'approcher ta bouche, il brûle. Le feu le saisit. On dit amen. Seuls ceux qui adorent en esprit, en vérité, dans l'adoration et agréés, reçoivent ce feu. Ce feu est ce dont tu as besoin. Dis amen. C'est ce feu, je t'ai dit, qui libère l'homme intérieur. C'est ce feu qui consume l'inquiétude. C'est ce feu qui consume la peur. Lorsque tu ne sais pas, tu n'as pas de direction, tu ne vois pas clair. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Je n'arrive pas à voir où est-ce que je dois aller, sur quel chemin je dois marcher. Ça veut dire que ta vision, la vision de ton homme intérieur est obscurcie. Ça veut dire qu'il y a un voile. Le feu consume le voile. Lorsque tu n'arrives pas à entendre Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un bloc de pierre qui t'empêche d'entendre Dieu. Le feu consume. Il consume les oreilles, le feu consume les chaînes, le feu consume tout. Mais pourquoi crois-tu que les malades sont guéris par l'imposition des mains? C'est parce que quand on impose les mains, quand le Saint-Esprit est là, c'est un feu qui est libéré. Et quand tu entends que la maladie est partie, c'est parce que le feu consume tout. Créature, création visible et invisible. Le feu de Dieu consume tout sur son passage. Ma Bible dit, lorsque Dieu vient, il s'avance comme un feu dévorant. Pourquoi les démons sautent? C'est à cause de ce feu. Pourquoi les maladies disparaissent? C'est parce qu'il y a un feu qui est rentré et qui a tout absorbé. De la même manière qu'il a absorbé les sacrifices que Élie a présentés, il absorbe tout sur son passage. Dis avec moi, le feu dévorant. Je prie que ce feu soit ton partage et notre partage à une dimension sans précédent au nom de Jésus. C'est ce feu qui te rend redoutable. C'est ce feu qui te rend terrifiant pour le royaume des ténèbres. S'il n'y a pas le feu, tu n'effraies personne. Tu es né de nouveau, mais tu ne fais peur à personne. Les démons n'ont pas peur. Mais quand les occultistes voient dans le monde spirituel une personne, on ne voit même pas ton visage. Tout ce qu'on voit, c'est juste un feu qui est autour de toi. On dit, il y a qui à l'intérieur? On ne sait pas c'est qui. Christ enflammé. Je prie que l'Église atteigne cette dimension où elle est enflammée. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, je veux ce feu. Si tu ne veux pas ce feu, ça veut dire que tu as décidé d'être une victime. Tu as décidé d'être vaincu. Tu as décidé d'être oppressé, harcelé par les démons. Tu n'es pas fatigué d'être tourmenté par les démons. Tu ne te sens pas fatigué d'être mou, nonchalant. On joue avec toi, on te gifle la nuit. Tu te réveilles. Ah, Jésus, au secours. Ça, c'est bon si tu viens de te convertir. Mais si tu es un ancien converti, c'est fatigant. Même tes anges sont fatigués. Ils disent, mais c'est quoi ça? Mais non. Il faut qu'il y ait un désir d'être embrasé. Les démons ne s'amusent pas avec le feu. Le feu brûle tout sur son passage. Il n'y a rien qui résiste au feu, à l'exception du feu. Que ce feu soit notre partage au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Amen. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que lorsque nous imposons les mains, par exemple, quand on t'impose les mains pour que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le feu qu'on t'envoie. Par l'imposition des mains. Pourquoi des fois tu touches et puis la personne? Mais parce que c'est un feu. Mais lorsqu'on impose les mains, on libère le feu. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas que tous les jours on t'impose les mains pour que tu sois, parce que la vérité, c'est que c'est tous les jours que tu dois être en feu. Dis amen. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tous les jours tu amènes ta même tête et qu'on t'impose encore les mains pour te libérer le feu. Non, on t'a communiqué le feu une fois. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que ce feu quotidien soit alimenté par toi-même. Comment? Lorsque tu vas sur l'autel et que tu deviens le sacrifice. On t'a aidé aujourd'hui en te libérant le feu. Mais après, les autres doses de feu doivent venir directement de Dieu et non plus de l'homme de Dieu. Comment? Lorsque tu t'abandonnes. Lorsque tu t'abandonnes et que tu deviens le sacrifice. Romains 12, verset 1, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand tu le lis avec la version NIV traduit en littéralement français, il dit, c'est ça qui sera une véritable adoration. C'est quoi la véritable adoration? Le culte raisonnable, le culte accepté par Dieu, c'est lorsque tu es le sacrifice, lorsque tu deviens le sacrifice. C'est ça l'adoration. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi avant de parler de délivrance, ah, parce qu'il y a mes démons, les démons me fatiguent. Maman, il y a trop de démons qui fatiguent trop de gens ici. Mais voilà ce que j'ai découvert. C'est qu'au-delà de la prière, il ne faut plus seulement se contenter de prier. Il faut désormais décider de s'abandonner, de souffrir. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu dit amen dans la salle. Parce que toi, tu veux continuer de prier. Tu es dans l'intercession, tu es dans la louange, tu es dans l'intercession, tu es dans tous les départements, tu pries. Mais ce n'est pas la question de la prière. C'est le sacrifice. Ce qui envoie le feu, ce n'est pas la prière, c'est le sacrifice. Lorsque tu pries en te sacrifiant, là, il y a le feu. Il faut que tu décides de changer. Il y a des montagnes, il y a des jougs dans ta vie qui doivent être brisés. On a prié, rien ne s'est produit. Pasteur, ça ne sait pas, ça n'a toujours pas changé. J'ai découvert une chose. Ça n'a toujours pas changé. Moi, j'ai prié. Tu veux que je fasse quoi de plus? Que je prie encore? Mais ce serait de l'incrédulité. J'ai prié une fois. Ça n'a pas changé. Va sur l'autel. Sacrifie-toi. Le feu. Quand j'ai prié, j'ai envoyé le feu. Mais le feu doit être maintenu. Il doit être alimenté. Il doit être intensifié. Il y a trop de gens pour lesquels on a prié. Mais tu es dans la fausseté, tu es dans le mensonge, tu es dans l'adoration charnelle, tu n'es pas sincère, tu n'es pas authentique. Et tu me dis, il n'y a pas de résultat. Mais s'il n'y a pas de résultat, ça veut dire que le feu n'est pas encore suffisant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Arrange-toi seulement pour que le feu continue et continue et continue. Et soudainement, ce qui te retenait, cédera. C'est une question de feu. Mais comment avons-nous fait pour être libérés de la sirène des eaux à laquelle on a été consacrés? Qui nous a imposé les mains? Personne. C'était le sacrifice qui a déclenché le feu. Et un jour, l'esprit des eaux a dit, maman, je n'en peux plus, au secours. J'ai dit, maman, c'est ça que je te disais depuis longtemps, que tu ne comprenais pas. Dégage. J'ai dit qu'il quittera ta vie au nom de Jésus. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il y a une église, peut-être pas tout le monde, mais il y a une église là maintenant, là, qui a décidé d'être sincère avec Dieu. Il y a une église qui a décidé de connaître Dieu. Pas juste d'aller à l'église le dimanche. Pas juste de prier. Mais de sacrifier. Le secret du feu, ce n'est pas la prière. C'est l'adoration. Le sacrifice. Je ne sais pas pour toi, mais il y a trop de vie en jeu. J'en ai assez d'entendre. Il y a des carnages. Un cancer à gauche, un cancer à droite. Comment une personne qui aime Jésus sincèrement, on te dit qu'elle a fait cancer, premier cancer, cancer des os, sciatique 1, sciatique 2. Et à chaque fois, avant ça, elle voit un serpent qui vient sur elle. 15 jours après, les choses se déclenchent. 2 AVC, pas 1, 2. C'est un acharnement démoniaque. Et quand tu vois ça, si ça ne te met pas en colère, pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un libérateur. Embrasse, embrasse, embrasse. Embrasse. Il faut que ça change. Mais avant d'aller attaquer là-bas, assure-toi que le feu est venu. Parce que toi, tu vas aller prier en mâchant un chewing-gum. Mais non. Là-bas, ils ont bâti des hôtels. Ils se sont renforcés. C'est une guerre, c'est pas un jeu. On n'a pas besoin d'acteurs et de comédiens dans ce genre de combat. On a besoin de soldats. Alors il est temps que l'église voit se lever des soldats. On a besoin de soldats. On n'a pas besoin de poltrons, de gens qui s'habillent en pyjama et qui vont sur un champ de bataille. On a besoin de guerriers. Il faut que ça te mette en colère. Si ça te met en colère, tu es qualifié pour recevoir le feu dont je parle. J'ai dit tu es qualifié pour recevoir le feu dont je parle. Et ce feu va t'embraser. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois sincère. Que tu sois assoiffé. Et que tu décides d'être une personne
qui va offrir ta vie en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais le titre de mon message aujourd'hui, je veux que tu le dises à ton voisin, c'est qu'on ne devient pas un véritable adorateur par hasard. Non. On ne devient pas un véritable adorateur. Qui a décidé de devenir un véritable adorateur? Bon, tu n'es pas obligé de lever la main, ce n'est pas grave. Mais entre nous, nous sommes la majorité. Parce que, non, moi je ne sais pas pour toi, mais non, moi j'ai dit Seigneur, non. Non, il faut que ce carnage s'arrête. Il faut qu'un hôtel, un nouvel hôtel, l'hôtel de Dieu, parle dans ma famille. Parle dans ma famille, parle dans mon époque, parle dans ma génération. Il faut que ma vie compte et laisse un passage savoureux. Que les gens voient Dieu, disent non. Nous, on veut ce Dieu qu'il a connu. Le Dieu que Ivan Castanou a servi, on veut le même Dieu. J'ai dit, c'est ça. C'est ça. C'est le Dieu qui fait la différence. Et il a décidé dans notre génération, dans notre époque désormais, d'apparaître. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, on ne devient pas véritable adorateur par hasard. Non. Non, c'est de ça que je vais te parler. On a vu que la véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire qu'on ne devient pas véritable adorateur par hasard, mais on devient un véritable adorateur seulement lorsqu'on a décidé de mener la guerre contre la chair et contre le mensonge ou la fausseté. Parce que la chair, c'est ce qui empêche l'adoration en esprit, et la fausseté, le mensonge, c'est ce qui empêche l'adoration en vérité. Et tu me suis dit amen. Et on a vu qu'adorer en esprit, je ne sais pas si tu te rappelles, on a vu qu'adorer en esprit, dis avec moi, adorer en esprit. Adorer en esprit, adorer par l'esprit, adorer à travers l'esprit. On a vu qu'adorer en esprit, ça veut dire que c'est l'esprit qui offre, qui abandonne et qui sacrifie à Dieu. C'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Et on a vu que c'est, lorsque c'est l'esprit qui adore, qui s'abandonne et qui s'offre à Dieu, l'esprit ne va jamais offrir à Dieu ce qui juste un geste, mais l'esprit va offrir à Dieu ce que Dieu a envie de recevoir. Et l'esprit va pas dire ça, c'est la chair a dit prends seulement, c'est juste le geste qui compte. C'est ce que Caïn a fait. Caïn a dit bon, prends, je te donne une petite partie. Dieu a dit je ne prends pas. Caïn a dit prends, je te donne les premiers-nés, tout mon troupeau, les prémices. Dieu a dit, j'accepte. La chair dit, prends seulement, c'est le geste qui compte. J'ai déjà pensé à toi, c'est pas mal. Tu devrais être content. Dieu dit, jamais. Je suis Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le créateur. Je suis le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Et excuse-moi, tu sais que devant un chef d'État, tu ne peux pas offrir n'importe quoi parce que mieux vaut encore ne rien faire vis-à-vis d'un chef d'État que d'offrir quelque chose qui est malvenu. Parce que ça peut révéler la légèreté. Ça peut révéler le mépris. Tu prends une cravate qui a transpiré et puis tu dis au chef de l'État, excusez-moi, comme je n'ai rien d'autre, ou tu prends ton t-shirt avec la sueur, tu dis, je vous l'offre, monsieur le président, prenez ça. Il y a des pays où les services secrets t'attrapent sur le champ, t'emmènent dans un endroit non identifié, inconnu, et plus jamais on ne trouve ta trace sur la terre des vivants. Dans les pays démocratiques, tu n'as pas ça. Mais il y a des pays sur la terre, hein, les gars t'attrapent. Tu as donné quoi au président là? Ok, viens. Et les parents te cherchent, ouais, mon enfant, ouais, il a disparu. Pourquoi? Outrage envers le chef de l'État. Parce qu'un cadeau peut être un manque de respect. Adorer en esprit, c'est offrir à Dieu ce que Dieu veut recevoir. Pas ce que tu estimes être une bonne idée, mais ce que Dieu exige, qui est conforme à son statut de Dieu, de roi, majesté. Autrement dit, adorer en esprit, c'est offrir à Dieu ce qui lui fait plaisir. Quelqu'un me dit amen encore? Amen. Dis avec moi ce qui lui fait plaisir. Réfléchis. Si toi, tu aimes recevoir, pas ce qui fait plaisir à la personne, mais ce qui te fait plaisir, toi, c'est ce que tu aimes. C'est ce que tu aimes. Parfois, nous, les hommes, on comprend pas ce que les femmes aiment. Moi, des fois, alors à l'époque, maintenant j'ai compris comment fonctionne ma femme. Mais moi, à l'époque, je vais lui acheter un nouveau téléphone portable. Brand new. Je lui configure tous les téléphones, les nouveaux numéros. Je me dis, parce que moi, c'est très pratique pour moi. Je lui prends le dernier S7 Galaxy Edge, tout ça là. Je configure. Et puis j'amène le cadeau. Et dis, oh, merci. Merci, chou. En bon, c'est tout.
Là, ça me faisait plaisir. Mais emmène un sac à LVMH, dernier cri. Là, tu vas se m'entendre. Où t'emmène Hermès? Alors là, ouh! Alors j'ai compris qu'effectivement, on n'a pas la fonction de... Alléluia, gloire à Dieu, en tout cas, bon. C'est ça qui fait nous, ce sont nos différences qui font notre force. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, adoration en esprit. On ne devient pas un véritable adorateur par hasard, mon frère. Il faut faire la guerre à la chair. Et nous avons parlé de la chair. Nous avons dit que la chair, l'adoration par la chair, ce n'est pas l'adoration avec l'impudicité, non. C'est l'adoration qui est basée sur les informations que tu as collectées avec tes cinq sens. Quelqu'un me dit amen. Et la chair offre à Dieu ce qu'elle estime être bien. Mais elle n'a pas vérifié que c'est ce que Dieu veut recevoir. Et le Seigneur m'a convaincu de revenir sur le message de dimanche dernier donné par le pasteur Samuel. Et il m'a dit, est-ce que tu as réalisé que ce message du pasteur Samuel, en réalité, était une application pratique de l'adoration en esprit? Parce que je sais que tu n'as pas bien vu le lien. Parce qu'il n'y a que deux adorations qui te qualifient pour être un véritable adorateur. L'adoration en esprit et l'adoration en vérité. Dis amen. Et en fait, il m'a montré, et c'est ça que je vais vous montrer, c'est pas la peine de courir ailleurs, on va pas aller parler d'autre chose, on va rester là. Ah, toi tu veux quoi? Tu veux quoi? Oh pasteur, parle-moi du mariage. Non! Adoration véritable. Fais de l'éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Ça fait longtemps que tu pries. Ça fait longtemps que tu pries. C'est toujours pas venu. Alors on va maintenant aller sur l'adoration véritable. Peut-être que quand tu vas changer ta manière d'adorer, ce que tu attendais soudainement viendra. Tu n'as pas idée du nombre de choses qu'on ne reçoit pas. On prie, on intercède, on jeûne. Mais il m'a dit, il y a quel... Non, ok. Dis seulement amen, on continue. Et donc il m'a montré que dans le message du pasteur Samuel de dimanche dernier, il a parlé de l'acte qui précède l'adoration. Je vais te montrer qu'en fait, l'acte qui précède l'adoration, en réalité, c'est l'adoration en esprit dont il parlait. Et il a fait référence à Matthieu, chapitre 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors, le pasteur Samuel a expliqué l'importance de bien gérer les relations et il a montré le lien entre les relations et l'adoration. Et moi, j'ai reçu la conviction de revenir dessus, de dire les mêmes choses qu'il a dites. Même les mêmes phrases, ce n'est pas un problème. Mais s'il me dit, c'est que c'est important de le dire. Je n'ai pas entendu. Donc il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, bon, d'abord, je dois d'abord te dire, premièrement, que le fait que ton frère ait quelque chose contre toi ne signifie pas que ce frère-là qui a quelque chose contre toi n'arrive pas à dormir la nuit et qu'il est tourmenté et qu'il est tellement blessé, aigri, amer. Ça dépend des personnes. Mais que quelqu'un ait quelque chose contre toi ne veut pas dire que la personne n'arrive pas à avancer dans la vie. Ça dépend de l'état de son âme. Lorsque Aaron et Marie ont parlé mal contre Moïse, ce qu'ils ont fait était mal et Dieu ne l'a pas agréé. Je suis sûr que ça a dû désoler Moïse d'entendre ses frères, son frère et sa soeur parler ainsi. C'est très probable. Mais Moïse était quelqu'un de patient. Moïse était quelqu'un qui aimait. Moïse ne l'a pas gardé dans le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui sont d'une légèreté, d'une impolitesse incroyable. Ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui parle avec un tel mépris que tu te sens méprisé. Mais ce n'est pas parce que je me sens méprisé que j'ai gardé le mépris dans le cœur. Je ne peux pas laisser les actes de quelqu'un déterminer ce que je garde dans mon cœur. Jamais. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je dois garder mon cœur pur. Il doit continuer d'entendre. Il doit être pur. Il doit continuer d'entendre Dieu. Il doit continuer de voir Dieu. Mais il n'empêche que ce que la personne a fait, sans avoir de l'amertume dans le cœur, il n'empêche quand même que je l'ai classé quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, tu n'as pas gardé, mais tu as compris qui est la personne. Et ce qu'elle a fait ne t'a pas plu. Mais ça ne veut pas dire que ça t'empêche de vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le premier point que je suis en train de te dire,
c'est que si, il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça ne veut pas dire que cette personne a du mal à dormir. Voilà, c'est la première chose. Mais il y en a, parce que l'âme n'a pas été restaurée, hein, eux, ils peuvent pas passer ça, outre ça. Mais je prie que tu passes à travers au nom de Jésus et que tu continues d'avancer. Dis Amen. Bon, la deuxième chose que je veux que tu saches, il dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Laisse là ton offrande devant l'autel. Dis à ton voisin, laisse là ton offrande devant l'autel. Il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, le deuxième point, c'est que dire que ton frère a quelque chose contre toi ne signifie pas que tu es responsable du grief, tu es responsable de l'offense que ton frère ressent vis-à-vis de toi. Il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Mais ça ne veut pas dire que parce que ton frère a quelque chose contre toi, c'est ta faute. Parce que tu n'as pas idée du nombre de gens qui ont quelque chose contre toi, alors que tu n'as rien fait. Oh, oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es passé à côté de moi, tu as dit telle phrase, ça m'a outragé. Mais cette phrase, je ne l'ai pas dit pour toi. Et puis même, je ne l'ai pas dit dans ce sens-là. Oh là là! Non, il peut arriver que quelqu'un ait quelque chose contre toi, mais en vérité, dans ton cœur et dans tes paroles, il n'y avait rien. Parfois, les gens sont tellement broke que ce que tu dis devient sujet de... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose ou ta sœur a quelque chose contre toi, ça ne veut pas dire que tu es forcément, tu pourrais l'être. Ça ne veut pas dire que tu as forcément fait une faute ou commis une erreur. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que tu te souviens que ton frère a quelque chose. Ça veut dire que tu es au courant de ce que cette personne a gardé et a été offensée. Cette personne a été bloquée. Cette personne a quelque chose qui l'a gêné, dérangé. Dès lors que tu as cette information-là, même si tu n'es pas fautif, il dit, calme-toi. Arrête d'abord, va d'abord voir la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc même quand tu n'as rien fait, ce n'est pas une raison pour dire ça m'est égal. Si tu sais, même si tu n'as rien fait, mais que cette personne s'est sentie vexée, offensée, humiliée, il dit laisse là ton offrande, va voir, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Quelqu'un dit Amen. Le troisième point ici, il dit ton frère. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Bon, j'ai regardé dans le grec pour toi le mot adelphos. Ça veut dire une personne avec laquelle tu as un lien. Tu as quelque chose en commun. Tu as une relation. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il n'est pas en train de parler de... Parce que si tu ne comprends pas qu'il parle d'une personne avec laquelle tu as un lien, quelque chose en commun, tu as une relation. Si tu prends ce texte à la lettre, si tu as idée, je te dis une chose. Hein. À un moment donné, si tu ne comprends pas le contexte, parce qu'il parle de quelqu'un avec qui tu avais une relation, un lien. Mais brusquement, ce lien a été brisé. Cette relation a souffert. Il n'est pas en train de parler des gens qui ont quelque chose contre toi en Chine, aux États-Unis, et tu vas prendre ton billet d'avion, faire le tour du monde. Tu as quelque chose contre moi. Tu as quelque chose contre moi. Tu as quelque chose contre moi. Mon gars, tu vas en trouver des... Je ne sais pas combien, mais tu peux... En tout cas, nous, là, si on fait ça, waouh. Les gens, il a dit, ils m'ont haï sans cause. Il y a des gens qui ont quelque chose contre toi, tu n'y es pour rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il parle de quelqu'un avec qui tu étais en relation. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur dans la maison de Dieu qui a quelque chose contre toi. Il y a une histoire entre vous deux. Si c'est ça, pose d'abord ton offrande. Il y a un lien étroit entre la relation horizontale et la relation verticale. Si tu me suis dit « Amen », le quatrième point que tu dois comprendre à propos de ce verset, il dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mais le quatrième point dont tu dois être conscient, c'est que la réconciliation avec ton frère ou ta sœur ne dépend pas que de toi. Parce qu'il faut aussi que l'autre partie, la partie adverse, ait aussi envie de réconciliation et de paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la réalité, c'est que toute tentative de réconciliation que tu feras, je crois qu'il y a quelqu'un qui sait un peu de quoi je parle, n'aboutira pas forcément à la paix. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent la guerre avec toi plutôt que la paix. Il y a des gens qui préfèrent continuer de te calomnier, continuer la méchanceté, continuer de dire du mal, de te salir, de te combattre, parce qu'ils ne veulent pas la paix.
je vois que tu n'as jamais connu ce genre de personne. La personne te disait quelque chose contre toi. Toi, tu dis, mais quand tu veux réconcilier, il dit, non, je ne veux pas. Non. Ah, il ne veut pas la paix. Donc, va d'abord. Non, parce que sinon, tu vas être déçu du passage. Tu vas dire, mais Jésus, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Je suis allé vers mon frère, j'ai essayé de me réconcilier avec lui, mais ça n'a pas abouti. Donc, je ne peux pas présenter mon offrande. Non, 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 non. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que va, essaie la réconciliation. Maintenant, s'il ne veut pas la réconciliation et qu'il veut la guerre, au moins tu as fait ta part, au moins tu as autant que possible, autant que cela dépendait de toi, tu as essayé la conciliation, la paix. Tu as essayé de bâtir des ponts et de briser les murailles. C'est pour ça que Paul, poussé par l'Esprit, dit dans Romains chapitre 12, au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Si c'est possible, si tu peux poser un acte pour aider à cela, écoute-moi, mon frère, ma soeur, si tu peux chercher la paix, cherche la paix. La version du semeur dit, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Quelqu'un me dit amen. Mais tout le monde n'acceptera pas. Il y en a qui feront la guerre, mais la différence maintenant, c'est que quand tu as essayé la paix et qu'eux, ils préfèrent la guerre, tu as fait ta part. Maintenant, ils tomberont sur ton Dieu qui est un feu dévorant. Amen. Quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, la question est, mais qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire comme message, comme vérité, dans Matthieu 5 au verset 23? En fait, ce qu'il m'a dit de répéter, ce qu'il m'a dit de revenir, c'est en fait ce qu'il essaie de dire dans Matthieu 5, verset 23, c'est autant que possible. Si ça dépend de toi, recherche la paix. Peut-être que la personne qui a quelque chose contre toi a été offensée, parce que tu as vraiment commis une erreur. Peut-être as-tu commis une maladresse. Peut-être as-tu manqué de respect. Peut-être as-tu manqué de sagesse. Mais dans tous les cas, pose un acte, essaie de rechercher la paix, essaie de réparer, essaie de reconstruire. Et il m'a dit, ne dis surtout pas quand une personne avec qui tu es en relation ou tu étais en relation s'est sentie offensée et a quelque chose contre toi, ne dis surtout pas. Ça m'est égal, c'est son problème. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas, moi, mon offrande, mon sacrifice, c'est à Dieu, qu'importe la nature de mes relations avec mon père, avec ma mère, avec mes amis, même si les relations sont pourries, le plus important, c'est nous élevons. Non, ce n'est pas la bonne gamme. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. C'est entre Dieu et moi, tant pis pour lui. Nous élevons nos mains. Là, Jésus te dit, attends d'abord, attends. Si tu veux élever les mains, offrir quelque chose à Dieu, assure-toi d'abord que cette relation-là, tu as fait de ton maximum pour qu'elle soit apaisée et pour que la personne qui avait quelque chose contre toi, autant que cela dépend de toi, soit libérée de ce qu'elle avait contre toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, de manière pratique, ça donne quoi? Tu vois, quelqu'un te faisait confiance. On te faisait confiance et tu as déçu la personne qui t'a fait confiance. Tu l'as déçu. Tu sais que tu l'as déçu, elle sait que tu l'as déçu. Et tu dis, ça m'est égal si elle est déçue. Moi, je suis comme ça. Nous élevons nos mains. De toute façon, ce qui compte dans la vie, là, c'est Dieu. Oh, nous élevons. Jésus dit non, non. Pose d'abord ton offrande. S'il dit pose d'abord ton offrande, ça veut dire que ça ne sera pas accepté. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, pose d'abord ton offrande. Bon, c'est un cas qu'on ne trouve pas à ICC, mais je le donne quand même. Hein? Non, je parle du cas dont je vais parler. Tu as commis l'adultère. Tu as brisé un foyer. Tu as séparé un homme ou une femme de sa maison et de ses enfants. Tu ne peux pas dire simplement, parce qu'il y a quelqu'un qui a été meurtri, il y a au moins une personne. Le conjoint a été meurtri, les enfants ont été meurtris. Tu ne peux pas dire, moi je viens à l'église, je fais mon offrande, bâtisseur du royaume, c'est une offrande à Dieu. Alléluia. Ok, il s'essaie à dire alléluia, gloire à Dieu. Mais Jésus dit, attends, si une personne a quelque chose contre toi, tu as pris mon mari. Et toi tu dis, non, c'est lui qui est venu vers moi. Mais si cette personne a été offensée, blessée,
Tu ne peux pas juste dire ce qui compte, c'est offrir à Dieu. Dieu dit, ah non, 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 non. Non, 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 c'est pas ça exactement. Pose d'abord ton offrande, va réparer. Ah là, j'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, je répare comment? Je ne sais pas, va prier. Bon, dis à quelqu'un, pose d'abord ton offrande. Ça dépend où en est l'histoire actuellement. Mais il y a encore d'autres types d'histoires. Tu as emprunté de l'argent. Et à la date d'échéance, tu n'as pas remboursé l'argent. Et ton prochain, ton frère, ta soeur a des problèmes de loyer, a des problèmes financiers parce que tu n'as pas remboursé l'argent. Attends. Et cerise sur le gâteau, ça c'est le cas de beaucoup de gens. Tu oublies la dette. Comme on ne t'a pas relancé, tu oublies la dette. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu n'as pas remboursé à temps, tu as frustré son âme. Même si Dieu a fait grâce après, il y a quand même quelque chose dans le cœur. Mais la personne n'est pas obligée d'être amère envers toi. Mais le simple fait que la personne, devant Dieu, soupire et gémisse et dise « Ah, à cause de cette personne, voilà dans la situation dans laquelle je suis », ce n'est pas bon pour toi. Et le pire, ce sont les gens qui oublient et qui vont à l'église le dimanche. Élevons nos mains vers toi. Oh, nous élevons nos mains. Nous Dieu dit, pose ta main. Va voir ton frère. Fais profil bas. Répare. Demande pardon. Demande pardon et répare. Rembourse. Commence au moins à rembourser. Mais tu n'as pas aidé du nombre de gens qui oublient et qui disent, oh, de toutes les manières, il a de l'argent déjà. Il a déjà de l'argent. Ce n'est pas la peine que je rembourse. Oh là, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'un soupir. Comprends-moi bien. Avoir quelque chose contre toi, ça ne veut pas dire ne pas réussir à s'en sortir. Mais ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui a déplu à ton frère. Et si tu as une part de responsabilité dans sa frustration, ne dis pas ce qui compte, c'est Dieu. Je vais adorer Dieu. Non, Jésus dit, pose l'offrande. Tu n'as pas compris. Pose l'offrande d'abord. Va réparer. Parce que sinon, le cri de son âme, et le pasteur Ahmed nous a expliqué ça, va monter vers Dieu. Dans Genèse 4, c'est ce qui s'est passé pour Caïn, quand il a tué son frère Abel. Donc Genèse 4, au verset 10 à 12, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous savez, excusez-moi, je fais une pause. Garde le verset à l'écran. Je fais une pause. Faut pas dire naïvement, en Christ, je suis béni, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Faut faire attention à ce que tu dis. Parce que tout ce que tu dis a un contexte spécifique. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi. Va injurier ton père ou ta mère. Et après, tu sors de là, comme j'ai vu quelqu'un faire. De toutes les manières, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant malédiction pour nous. J'ai dit, maman, tu viens, Christ a racheté de la malédiction. Ça, c'est spirituellement. Mais là, tu viens d'activer la malédiction sur ta vie. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Toi, tu l'injuries et tu penses que tu es béni. Jamais. Jamais. Les lois sont éternelles. Dis amen. Donc, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Écoute ce qu'il dit. Quand tu cultiveras le sol, normalement, quand tu cultives, il dit quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Normalement, quand on sème, la loi de la compensation dit que quand tu sèmes, tu récoltes. Mais ici, Dieu dit, quand tu vas semer, tu vas cultiver, tu n'obtiendras rien. La semence que tu avais semée a été immobilisée à cause du cri du cœur qui est de quelqu'un que tu as offensé qui est monté vers Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être irréprochable. D'être irréprochable. Ça veut dire que tu es sans reproche. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, il m'a volé mon argent, il m'a volé mon mari, il m'a volé ma femme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça. Bon, je laisse tomber l'histoire d'il m'a volé mon mari, ma femme. Parce qu'il faut prendre ça dans un contexte bien précis. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a divorcé ne peut pas se remarier. Tout dépend. Donc, je ne veux pas enfermer les gens avec ce que je dis. Ce que je dis, prenez-le dans un contexte précis. Dis amen.
Voilà, que quelqu'un ne sorte pas d'ici en disant, oh là 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 là, comment je fais? J'ai volé, non, je suis remarié, non, tu es remarié, alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Mais si tu as des pensées en ce moment pour aller chercher quelqu'un qui est marié, recule! Je n'entends pas ton amen. Dis avec moi, c'est la véritable adoration. Donc, ton offrande n'est pas agréée dans tous les cas. En fait, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que tout ce qui est offert à Dieu et qui ne se soucie pas d'aimer son prochain ne fait pas plaisir à Dieu. Dis avec moi, plaisir à Dieu. Dis avec moi, plaisir à Dieu. Tout ce qui est offert à Dieu et qui ne se soucie pas d'aimer son prochain ne fait pas plaisir à Dieu. Et tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu n'est pas fait en esprit. Parce que je t'ai expliqué que l'adoration en esprit, c'est l'adoration à laquelle Dieu prend plaisir. Tout ce qui ne fait pas plaisir n'est pas spirituel, ce n'est pas en esprit. Tu vas comprendre. Dis seulement amen. Donc, le Saint-Esprit, je lui ai demandé, mais pourquoi? Pourquoi c'est important de respecter les relations avec les frères et les sœurs et de s'assurer d'être irréprochable dans ces relations? Pourquoi? Il m'a dit, il ne prend pas plaisir à une offrande qui lui est faite alors que son image sur la terre est bafouée, méprisée, offensée. Il m'a dit, je répète, Dieu m'a dit, je ne reçois pas une offrande qui est faite, qui m'est adressée, lorsque ma propre image est méprisée. Il m'a dit, tu ne peux pas m'honorer et mépriser mon image. Or, mon image, c'est qui? C'est ton frère et ta sœur, qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Ah oui. Dieu est soigneux de son image. Dis amen. Dis amen. Elle m'a dit, tu ne peux pas dire à propos de Nelson Mandela, j'aime Nelson Mandela ou je respecte Nelson Mandela, et quand l'effigie, l'image, la statue, le portrait de Nelson Mandela est là, tu méprises l'effigie, l'image, le portrait, tu le méprises, tu dis « et puis tu dis « j'aime Nelson Mandela » que tu ne vois pas. Mais non, tu n'as pas compris qu'en fait, le portrait, l'image, l'effigie, ça le représente lui. Dis « amen ». Et l'image de Dieu, c'est ton frère. L'image de Dieu, c'est ta sœur. Voilà pourquoi Dieu dit, tu ne peux pas m'honorer moi si tu méprises mon portrait. Waouh. Si tu ne comprends pas ça, tu vas comprendre que c'est à cause de cette conception. Israël avait une conception charnelle de l'adoration. Il n'avait pas compris que l'adoration véritable en esprit, c'est celle qui fait plaisir à Dieu. Israël n'avait tellement pas compris ça que Dieu les a interpellés à plusieurs reprises dans toute l'histoire biblique de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Parce que le peuple s'employait à offrir à Dieu des sacrifices, à offrir à Dieu des offrandes, à offrir des chants, des danses. Mais le peuple ne s'appliquait pas à aimer son prochain et il oubliait que c'était le deuxième plus important commandement. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 39. Matthieu 22, verset 36 à 39. Voilà ce qui est écrit. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Dis amen. Amen. Ensuite, il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il le situe au niveau du deuxième commandement le plus important de la loi. Parce que la vérité, c'est que quand tu aimes ton prochain, tu ne feras pas de mal à ton prochain. Tu le protégeras, tu le serviras, tu l'aideras. C'est le premier, c'est Dieu le plus important. Les autres viennent après. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est normal. Ça vient après. Tu honoreras ton père et ta mère, ça vient après. Parce que quand tu aimes de l'amour de Dieu, tout le reste est automatique. Dis amen. Ce n'est pas moi que tu acclames. Tu acclames la parole que tu es en train de méditer.
quelqu'un me dit amen. Et du coup, Dieu ne prenait pas plaisir, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu ne prenait pas plaisir à ce qu'ils offraient. Ils faisaient tout ce que Dieu avait demandé de faire, mais Dieu ne prenait pas plaisir. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu qui était dans le frère et la sœur était méprisée. C'est pour ça que Jésus leur dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 7, « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Quand il dit « je prends plaisir », faire attention à cette phrase. Quand Dieu dit « je prends plaisir », il est en train de dire que c'est ça qui est fait en esprit. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il est en train de leur dire, en fait, la véritable adoration qui est spirituelle. En fait, tu vas comprendre tout à l'heure que l'adoration en esprit n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. L'adoration en esprit, c'est lorsque l'esprit offre à Dieu ce qui fait plaisir à Dieu. Mais les gens ont offert à Dieu ce qui lui faisait plaisir déjà depuis l'Ancien Testament. Quand Abel a offert les prémices, Dieu a pris plaisir. Dis amen. David a offert à Dieu ce qui lui faisait plaisir. Abraham a offert à Dieu ce qui lui faisait plaisir. Il était déclaré ami de Dieu. L'adoration en esprit n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi l'adoration ne s'arrête pas à chanter en langue. Non. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Tu peux acclamer, tu vas comprendre. Voilà. Et Jésus a cité un passage de l'Ancien Testament. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde », je prends plaisir, je prends plus de plaisir lorsque tu as compassion des gens plutôt que lorsque tu brûles des tas d'animaux sur le feu. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Mais depuis l'Ancien Testament, Dieu leur parlait. Depuis l'Ancien Testament, Dieu les a interpellés sur l'adoration en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jeûne, on l'a vu, le jeûne est une supplication, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Dis amen. Dis amen. Mais pour que le jeûne, mais le jeûne doit être fait en esprit. En bon, c'est quoi un jeûne en esprit? C'est un jeûne où on prie en langue du début à la fin du jeûne, pendant 40 jours, rabababa. Non. Le jeûne doit être fait en esprit. Le jeûne doit être spirituel, c'est-à-dire le jeûne doit être fait de manière à lui faire plaisir. C'est ça le jeûne véritable. Alors j'ai demandé au Seigneur, mais alors Seigneur, c'est quoi le jeûne qui te fait plaisir alors? Est-ce que c'est le jeûne d'Esther? 3 jours de jeûne à sec, sans boire d'eau, ni manger. Seigneur, est-ce que c'est le jeûne de 12 jours? 10 jours? Combien? 21? Daniel? Ah! Ça c'est le jeûne auquel tu prends plaisir. Ou alors, c'est le jeûne que Jésus a fait. 40 jours, mon gars. Ça, quand tu fais 40 jours, Dieu dit, yes, là je prends plaisir. Il m'a dit non. Le jeûne auquel je prends plaisir, c'est-à-dire le jeûne auquel je prends plaisir, c'est-à-dire le jeûne qui est un sacrifice offert en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Va à Esaïe 58, qu'elle a lu la semaine dernière, verset 6 à 8. Esaïe 58, verset 6 à 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est-à-dire, voici le jeûne spirituel. Voici le jeûne qui sera reçu. Attends, ça veut dire que tu peux jeûner, mais le jeûne, là, n'est pas fait en esprit. Il n'est pas fait selon Dieu. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Dis seulement amen. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Hein? Tu es toujours méchant. Tout le monde dit que tu es méchant. Tu es méchant. Hein? Tu n'es pas, mais tu te comportes comme un méchant, le méchant. Tu n'es pas méchant ou méchante. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Les jougs que tu mets sur les gens, libère-les. La condamnation, la culpabilité, les accusations. Libère les gens de ces jougs, libère-les. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Bon, moi je mets quand même attention. Hein. Parce que les malheureux sans asile, fais attention à qui tu accueilles chez toi. Parce qu'il y a des gens qui sont sans asile, quand ils viennent chez toi, la sorcellerie est rentrée chez toi, la poisse est rentrée, c'est-à-dire que ce sont des Jonas. Fais attention, n'accueille pas. Il y a des gens qui sont des manipulateurs, des voleurs, des picassiers, des escrocs, et te disent, non mais Dieu a dit d'accueillir. Non, maman, pas toi, j'accueille tout le monde, pas toi. Voilà pourquoi, non, voilà pourquoi il faut toujours lire un texte avec discernement. Quelque chose qui est écrit, tu dois toujours demander au Saint-Esprit quelle est ta volonté. La parole écrite dit ceci, mais que dit l'Esprit aujourd'hui? Sinon, tu vas accueillir des démons à la maison. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Oui. Je te dis ça pour te sauver parce qu'il y a des gens qui vont te dire, ah, le pasteur Castanou a dit
Faites accueil. Faites accueil à quoi? Accueillez les malheureux. Pasteur. Il parlait de tout sauf toi. Chacun des boys. Il m'a demandé. Alors, on continue. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quelqu'un dit amen? Jérémie 9, verset 24. Jérémie 9, verset 24. Regarde ce qu'il dit. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, lis bien, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Dis avec moi, Dieu prend plaisir. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Tu vois, je répète, l'adoration en esprit, offrir à Dieu en esprit, n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Dieu interpellait le peuple. Le peuple voulait observer seulement ce que Dieu avait dit, mais il ne voulait pas mettre la forme du cœur, l'amour du prochain. Il ne voulait pas. Alors Dieu dit, je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prend plaisir à la manifestation de la bonté. Dieu prend plaisir à la manifestation du droit ou encore du bon jugement, bonne décision. Dieu prend plaisir à la manifestation de sa justice. Dis avec moi justice. Dis avec moi justice. Justice c'est quoi? La justice c'est l'ensemble des lois. Dis amen si tu me suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, où est-ce que tu veux nous emmener? Je vais finir avec le verset, je vais bientôt atterrir. Amos chapitre 5, tu vas bien, maintenant tu vas comprendre. Amos 5 verset 22 à 24. Amos 5, verset 22 à 24. Tu vois, dans différents passages des Écritures, Dieu emmène le peuple à travers différentes Écritures, par différents prophètes. Dieu interpelle le peuple sur la même réalité. Tu ne peux pas offrir une chose à Dieu alors qu'il a demandé de le lui offrir. Mais si tu méprises le facteur relationnel et tu ne te soucies pas de ton frère et de ta sœur, ceux que tu as blessés, si tu ne répares pas, ton adoration n'est pas reçue. Amos chapitre 5, verset 22 à 24. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Waouh! Alors que c'est lui qui a dit d'emmener les holocaustes et d'emmener les offrandes. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Église, est-ce que tu m'entends? Église, est-ce que tu m'entends? Dieu dit de faire comme ça, mais quand ils font ça, ça ne marche pas. Maintenant, regarde la suite. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Hein? Oh? Je n'écoute pas le son de tes instruments. Hein? Quoi? Tu plaisantes ou quoi? Seigneur, c'est pas bon ça. Nous élevons nos mains. Nous élevons. Tu dis, éloigne-toi. Oh. Éloigne de moi le bruit de tes chants. Donc il peut arriver un moment où Dieu te dit, ne chante même pas. Non, il faut réfléchir. Ne chante pas. Ne joue pas d'instrument. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Il dit, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Dis avec moi la justice. Donc ici, tu vois déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a annoncé que les offrandes, les louanges, les danses ne suffiraient pas à rendre ton adoration spirituelle ou encore en esprit. Mais pour que l'adoration soit en esprit, pour que Dieu prenne plaisir, au début il dit, je n'y prends aucun plaisir, mais pour que Dieu prenne plaisir, il dit, il faut que la droiture soit comme un torrent d'eau, soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais, un fleuve qui ne tarit jamais, qui ne s'arrête jamais. Dis avec moi la justice. Mais c'est quoi la justice? La justice est simple. La justice, c'est l'ensemble des lois, des principes, des préceptes qui fonctionnent, le,
qui régule, pardon, le fonctionnement de l'univers. Dieu dit, il prend plaisir lorsque sa justice est comme un torrent qui ne tarit jamais. Ça veut dire, il m'a dit, il prend plaisir lorsque ses lois sont toujours et en permanence et régulièrement appliquées, pratiquées, lorsque ses lois sont serrées et ses lois sont respectées au quotidien, sans cesse, c'est là qu'il prend plaisir. Donc, il est en train de dire que sacrifier, offrir un sacrifice, adorer Dieu en esprit, c'est beaucoup plus que chanter. Parce que tu découvriras qu'il y a plusieurs manières d'offrir à Dieu un sacrifice en esprit, sans chanter, sans jouer un instrument et sans danser. Comment faire ça, pasteur ? En faisant en sorte que la justice soit comme un torrent, c'est-à-dire en faisant en sorte de marcher toujours selon ses lois. Quand tu marches selon ses lois, alors Dieu prend plaisir. Allah ribouche. Ça veut dire quoi concrètement, pasteur Evan? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de nous dire? En fait, je suis en train d'essayer de te dire qu'en réalité, c'est ce qu'il m'a expliqué, l'adoration en esprit, c'est beaucoup plus que toi et moi en pense. Il m'a dit, lorsque tu décides, tu acceptes d'honorer, d'accorder la révérence à une personne qui ne mérite même pas l'honneur. Lorsque tu honores ton père, ta mère, les autorités qui sont des tyrans, qui sont des méchants, il y a des gens auxquels tu n'as pas envie d'accorder de respect. Il y a des gens que tu n'as pas envie de respecter. Quand tu regardes le mal qu'il a fait, il est indigne de mon respect. Mais lorsque tu honores pas la personne, mais la fonction, parce qu'elle est père, parce qu'il est président, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est autorité. Lorsque tu décides d'honorer des gens que tu n'as pas envie d'honorer, la vérité, c'est que ton âme n'aime pas ça. Elle n'a pas envie. Mais il m'a dit de te dire que lorsque tu décides, tu acceptes néanmoins d'honorer, de respecter une personne qui ne le respecte pas, tu es en train d'appliquer donc la loi de l'honneur. Et en appliquant la loi de l'honneur, tu es en train d'offrir à Dieu, parce que ton âme n'aime pas ça naturellement, tu es en train de te forcer à obéir à Dieu, tu es en train d'offrir à Dieu un sacrifice en esprit. Là, c'est l'adoration en esprit. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas danser, mais tu es en train d'adorer en esprit. Pourquoi? Parce que tu es en train de marcher selon sa justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu décides d'être fidèle à ce qu'on t'a confié, on t'a confié une tâche, un travail. Lorsque, malgré les mauvais traitements, on ne te paye pas bien, on ne t'augmente pas, on ne te loue pas, on ne te célèbre pas, mais on t'a donné le travail. Et lorsque tu mets le cœur à l'ouvrage et que tu t'appliques à être soigné, diligent, méticuleux, à être perfectionniste, à être rigoureux, à bien faire le travail, même si personne ne t'apprécie, personne ne t'encourage, même si on t'injurie. Non, lorsque tu ne méprises pas le travail parce que les gens te méprisent, non, lorsque tu fais le travail de manière soignée, en réalité, malgré les mauvais traitements, tu sais que tu es en train d'appliquer ce qu'on appelle la loi de la fidélité. Et lorsque tu es en train d'appliquer la loi de la fidélité, parce qu'en réalité, ta chair n'aime tellement pas ça, que ta chair dit à ton âme, révèle-toi, rends une pâle copie, fais aussi un sale travail. Tu dis, non, je ferai un travail excellent, même si on ne le reconnaît pas. Est-ce que tu sais? Parce que ça fait mal à ton âme, mais lorsque tu le fais, lorsque tu es excellent et diligent et fidèle, tu es en train d'adorer, de sacrifier en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu donnes chaque mois, à chaque revenu, lorsque tu donnes la dîme, pas une partie de revenu, non, lorsque tu donnes au minimum 10%, tant que ça n'a pas fait 10%, ce n'est pas en esprit, mais lorsque tu as donné 10%, lorsque tu donnes tes premiers revenus, tu les amènes à Dieu, tu n'as pas chanté, tu n'as pas dansé, mais cet acte que tu viens de poser est un acte d'adoration en esprit, parce que tu as offert en esprit, parce que tu as offert ce que la loi exige. Est-ce que quelqu'un me suit là ce matin?
Je sais que ton silence est un silence de méditation et de réflexion, je le sais. Mais vois-tu, c'est important de comprendre ça. Est-ce que quelqu'un est d'accord? C'est important de comprendre. Les amis, il faut quitter la superficialité, il faut aller dans la profondeur. Nous voulons des adorations où le feu descend. Il y a des moments où le feu ne descend pas. Dieu dit non, ça c'est, si ce n'est pas la loi. Tu vois, il m'a dit lorsque tu décides d'aimer tes ennemis, de dire du bien de ceux qui disent du mal, alors que ton âme reçoit un message de ta chair qui dit, elle t'a traité d'idiote, de voleuse, réponds-toi aussi. Et lorsque tu décides de dire du bien, alors qu'on a dit du mal, lorsque tu décides de prier pour ceux qui te persécutent, et de faire du bien à ceux qui te font du mal, c'est un sacrifice. Dis amen. Et il m'a dit, quand tu fais ça, ce sont des sacrifices. Parce que ton âme a du mal. Il a dit, tu es en train de m'adorer en esprit. Quel silence, hein? Tu vois, c'est ça. J'aime ça. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut rester dessus, parce qu'il faut que ça rentre. Donc, du coup, quand tu dis, je veux t'adorer, il faut que tu saches ce que tu es en train de dire. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Tu peux paraphraser. Je veux marcher selon la loi de la sainteté. Je décide d'honorer mon père, ma mère, les autorités que je détestais honorer. Je décide d'honorer. C'est ça que tu es en train de dire. Je veux t'adorer en esprit. Est-ce que tu sais, enfant, Colossiens 3, verset 20, il dit, enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. J'ai regardé en grec pour toi, ça veut dire, cela lui fait plaisir. Est-ce que tu sais que obéir quand on est jeune, hein, pas quand on est à compte, pas quand on est non. Ça c'est quand on est encore enfant. Enfant, est-ce que tu sais qu'obéir à tes parents, c'est l'adoration? Parce que Dieu prend plaisir à toi. Tu vois, Dieu n'attend pas de toi que tu lèves les mains, que tu danses, tu chantes. Si tu méprises ton père, tu dis à ta mère, oh casse-toi toi, hein, petit. Tu as 15 ans, 14 ans, tu dis à ta mère, oh casse-toi. Et puis tu vas à l'église, tu dis, je veux t'adorer. Non, tu es en train de dire quelque chose que tu ne comprends pas. Quand il dit je veux t'adorer, tu dois comprendre que tu es en train de dire, je veux me conformer à tes lois. Je veux respecter ta justice. Parce que c'est ça qui te fait plaisir. Même quand ça fait mal, je serai fidèle. Même quand on me méprise, on ne me paye pas correctement, je ferai bien le travail, je ne bâclerai pas. Pourquoi? Par motif de conscience envers Dieu. Dieu dit, ça c'est un sacrifice. Là, tu es en train de m'offrir un sacrifice. Et là, le sacrifice est agréé. Et quand le sacrifice est agréé, le feu est libéré. Incline la tête. Alors, je veux que tu médites, que nous méditions sur le sens des paroles que nous chantons et que tu accompagnes ces paroles avec une supplication, un profond gémissement. Je veux m'endeler les membres, t'adorer. Accorde-moi la grâce, au Père, de mettre tes lois, de pratiquer tes lois, d'appliquer la loi de Dieu, la loi de la sainteté. Quand tu dis je veux t'adorer en esprit, tu es en train de lui dire je décide d'être saint. Plus d'impudicité dans ma vie. Je décide d'honorer. Accorde-moi la grâce d'honorer les pères, les mères que tu as placés dans ma vie. Accorde-moi la grâce de t'honorer avec la dîme, les offrandes. Accorde-moi la grâce de t'honorer avec ma générosité, mes semences. Les semences sont une marque d'honneur. L'adoration dépasse le chant, la danse. L'adoration, c'est lorsque tu offres un sacrifice, quelque chose qui fait mal à ton âme. Mais lorsque tu te conformes à la loi de Dieu, même quand ça fait mal, Dieu dit obéis et tu obéis. Tu es en train d'adorer en esprit. Je veux t'adorer en esprit. Et mon beau chakra, palais d'amour. Lorsque tu marches dans l'humilité, lorsque tu appliques la loi de l'humilité,
lorsque tu t'humilies devant Dieu, sans chanter, sans danser, tu es en train d'adorer. Lorsque tu t'humilies devant les hommes, lorsque tu ne te trouves pas trop grand, trop puissant, trop important, au point de t'humilier devant les autres, lorsque tu n'as pas honte de t'humilier, de demander pardon, de faire profil bas, ça c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Lorsque tu es humble, tu es en train de respecter la loi de l'humilité. Est-ce que tu sais que tu es en train d'adorer Dieu en esprit? Oh, je veux devant tes lois, je veux être gardant. Je veux me soumettre, même si mon âme n'aime pas ça. Accorde-moi d'aimer la parole. Accorde-moi de marcher selon la parole. Accorde-moi la grâce d'appliquer tes lois dans ma vie. C'est le secret, c'est la clé de la véritable adoration en esprit. Lorsque tu aimes ton frère, tu aimes ton prochain, tu es en train d'obéir à la loi de l'amour. Et lorsque tu obéis à la loi de l'amour, tu es en train d'offrir un sacrifice en esprit. Je veux t'adorer. Lorsque tu dis je veux t'adorer en esprit, tu ne dis plus, qu'importe ce que les, qu'importe le mal que je fais aux gens, ou qu'ils disent que je leur ai fait, ce n'est pas mon problème. Non, lorsque tu adores en esprit, tu dis, autant que cela dépend de moi, j'irai vers mon frère, j'irai vers ma soeur. S'il accepte la réconciliation, si elle accepte la paix, autant que cela dépend de moi, je vais apaiser son cœur. Si je dois demander pardon, je demanderai pardon. Si je n'y suis pour rien, je dirai je n'y suis pour rien du tout. Et que Dieu apaise ton cœur. Mais tu ne peux pas dire ce que les autres sentent, je n'en ai rien à faire. Jésus dit pose ton offrande. Tu n'as pas compris. L'adoration en esprit doit être adoration en esprit. Doit se conformer au respect de mes lois. Il y a plusieurs dès lors. Tu comprends qu'il y a plusieurs expressions d'adoration en esprit, au-delà des chants, au-delà des danses, au-delà des instruments, au-delà des cantiques. Accorde-nous, Père, juste et saint, d'être des véritables, véritables adorateurs. Oh, je veux et le marlouche à cada de vos. T'adorer. Oh, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Y a-t-il une personne qui, malgré la parole qu'il vient d'entendre, a quand même envie de prier et de dire à Dieu, je suis désireux, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Il t'accorde la grâce si toi tu prends la résolution, si tu prends la décision, si tu es déterminé à ne plus écouter la manière dont tes cinq sens accablent ton âme. Mais si tu décides, parce que Dieu le dit, c'est ce que je ferai. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas. Même si le monde met la pression sur moi, en me disant comment à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 30 ans, 25 ans, comment n'as-tu pas de copain? Comment ne couches-tu pas? Ça, c'est la pression du monde. Et parfois, cette pression fait du mal à ton âme. Parfois, tu ressens de la douleur. Et une fois, tu te dis, va seulement, compromets-toi, couche seulement. Est-ce que tu réalises que lorsque tu dis par motif de conscience envers Dieu, jamais je ne trahirai sa fidélité, jamais je ne violerai son alliance, jamais je ne compromettrai le temple, je ne souillerai le temple du Saint-Esprit. Parfois ça te fait mal, la manière dont tes propres parents te mettent la pression. Parfois tu as envie de céder, mais les véritables adorateurs ne cèdent pas. Les véritables adorateurs adorent en esprit. Et ils discernent que malgré les propositions indécentes, les propositions du monde, garder son corps dans la sainteté, alors que des voix te disent couche, garder son corps, c'est un sacrifice
d'une bonne odeur. C'est une expression d'adoration en esprit, parce que tu respectes la justice. Et lorsque tu le fais tous les jours, alors dans ta vie, la justice coule comme un fleuve qui ne tarit jamais. Parce que chaque jour, tu t'appliques à serrer sa parole et à te conformer à la loi, au principe. Parce que les lois gouvernent l'univers. Et lorsque tu le fais sans chanter, sans danser, tu es en train d'offrir un sacrifice d'adoration. Accorde-nous la grâce, Père. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux, ô Père, ô tendre Père, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Même si nous ne sommes pas nombreux, j'ai besoin de ton feu. Alors j'accepte, ô Père, de me conformer à ta parole, de poursuivre ta justice, de respecter tes lois. C'est l'adoration en esprit. Accorde-moi, ô Père. Et sans danser, en m'offrant comme un sacrifice, en me conformant à tes lois, ô Père, en donnant ma dîme, en donnant mes offrandes, en honorant, en pardonnant, en priant pour ceux qui me persécutent. En obéissant à mes parents, en honorant les autorités, je suis en train de t'adorer, parce que tu prends plaisir, Père, à ta justice. Accorde-nous la grâce de comprendre cette parole, d'être conscient de cette parole, d'être conscient de cette vérité. Accorde-nous la grâce. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Lève les mains si tu réclames la grâce. Parce que tu as besoin de la grâce pour obéir à la parole. Mais si tu es déjà d'accord avec la parole, mais que tu reconnais que tu as besoin de sa grâce pour honorer, même quand ton âme n'a pas envie de t'honorer. Wow. Il dit, je sais que ça fait mal, mais c'est ça le sacrifice. Je sais que ça fait mal de te préserver, mais c'est ça le sacrifice. Au-delà des chants, au-delà des cantiques et des instruments, oh Père, je suis d'accord. Je reconnais, je n'ai pas la capacité, mais j'ai la volonté, je suis résolu. Accorde-moi la grâce au Père. C'est le secret de l'adoration en esprit. C'est la condition pour que le feu descende sur ta vie. Il descend chaque jour. Il faut que tu obéisses chaque jour. Il faut que tu honores chaque jour. Que tu aimes chaque jour. Que tu pardonnes chaque jour. Ainsi le feu descendra chaque jour. Lorsque tu associeras la sincérité. Ô Père, je veux. Je vais te laisser une minute, tu vas élever. Chacun va élever la voix pour lui. Élève la voix. Je sens juste que tu vas recommander ton cœur. Nous allons recommander nos cœurs. Demande pardon à Dieu pour ce que tu n'avais pas compris. Demande pardon à Dieu pour ce que tu n'avais pas compris. Tu vois,
à force d'écouter ces enseignements, tu commences à comprendre que ce sont des messages qui avaient déjà été annoncés hier, il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois, qui reviennent aujourd'hui, mais que je comprends mieux. Je te demande pardon. Je n'avais pas compris qu'en fait, me respecter les lois, en fait, je suivais mon âme. Quand je n'ai pas envie, je ne faisais pas. Je savais que je devais faire, mais je ne faisais pas. Et aujourd'hui, je réalise qu'en faisant ce que mon âme n'a pas envie de faire, mais que Dieu dit de faire, je suis en train d'adorer en esprit. Oh, accorde-moi la grâce de comprendre que ça va au-delà de chanter. Ça va au-delà de chanter. Ça va au-delà de jeûner. En marchant dans l'amour, dans la miséricorde, la compassion, l'assistance, la solidarité, je suis en train de manifester de l'amour et de l'attention envers mon prochain. Je suis en train d'adorer en esprit. Ah, élève la voix, élève, 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 élève. L'enjeu de tout cela, l'enjeu, c'est le feu. Et il y a un feu sans précédent dont tu as besoin et que tu désires. Mais pour que ce feu arrive dans une dimension sans précédent, il me demande, Église, es-tu prêt à marcher dans ma justice et à m'offrir ce que je désire, ce en quoi je prends plaisir? Je prends plaisir à ma justice, au respect de mes lois. Veux-tu continuer de laisser ton âme influencé par ta chair, contrôler tes mouvements? Ou est-ce que tu dis à ton âme, mon âme, on va obéir, on va marcher sur la parole, on va serrer cette parole, on va honorer, on va pardonner, on va être saint comme il est saint, on va donner, on va semer, on va donner, libérer la dîme, libérer les prémices. Mon âme, nous serons fidèles. Même si personne ne t'apprécie, même si on ne t'augmente pas, mon âme fait le travail de manière soignée. Rappelle-toi, mon âme, quelqu'un quelque part te regarde. Sois soigné et appliqué et diligent par motif de conscience envers Dieu. Même quand ton âme a mal, fais-le. C'est ainsi que tu adores, tu sacrifies à Dieu. En esprit et en vérité. Parce que tu te conformes à ses lois et que Dieu prend plaisir au respect de ses lois. Voilà pourquoi, avant le Nouveau Testament, Abel a été approuvé. Abraham a été approuvé. David a été approuvé. Joseph a été approuvé et élevé. L'adoration en esprit ne date pas d'aujourd'hui. Mais hier comme aujourd'hui, le peuple ne voulait pas faire ce que Dieu demandait. Il disait c'est le geste qui compte. Il voulait rester dans les rituels extérieurs, les postures, les gestes, ce qui est visible aux yeux des hommes. Seigneur, merci. Parce que par ta grâce, il y a trop de vie en jeu. Notre propre destinée est en jeu. Il y a une guerre derrière. L'ennemi se renforce dehors. Il y a une guerre dehors. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être superficiels, légers, vaincus. Alors il y a un prix à payer. Accorde-nous la grâce d'obéir, de ne plus écouter l'âme, mais de dire à l'âme, tu iras là, tu obéiras. Lorsque tu disciplines ton âme, tu adores en esprit. Wow. Merci. Accorde-nous la grâce de réfléchir et de réfléchir et de réfléchir. Et au final, de nous abandonner. Merci. Parce que désormais, l'Église va dans la dimension où elle t'adorera en vérité et également en esprit. Et en t'adorant en esprit, en respectant tes lois, en réalité, il me dit, chaque fois que tu respectes ces lois,
Là maintenant, tu peux lever les mains parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu fais. Lorsque tu respectes les lois, tu lui donnes le pouvoir de contrôler et de bâtir ta vie. Lorsque tu respectes ces lois, tu peux lever les deux mains parce que tu es vraiment en train de t'abandonner. Mais si tu ne respectes pas la loi, tes deux mains levées ne sont pas vraies. Tes deux mains levées ne sont pas levées en esprit. En esprit, c'est lorsque tu disciplines ton âme, tu l'emmènes à m'obéir. Seigneur, merci. Nous comptons sur ta grâce. Lève les mains. Nous recevons la grâce d'adorer en esprit et en vérité. Nous avons la volonté, mais c'est ta capacité qui le fera. Honneur, louange et gloire à toi. Il y a compassion de nous. Et la parole que tu envoies révèle les projets que tu prépares. Mets-nous en ordre. Merci. Parce que le feu qui arrive est un feu qui n'aura jamais été expérimenté. Parce que ce ne sera plus une poignée de personnes qui adoreront en esprit et en vérité. Mais ça sera un peuple. Honneur, louange et gloire à toi qui fais cette œuvre et qui bâtit cette église en place et en flamme. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec un chant de grâce. Amen, amen, amen. Je veux, je veux, je veux, je veux. Sois pur, alors je veux me diriger d'après ta parole. Je veux, Seigneur, t'adorer, Seigneur, t'aimer en profondeur. Alors je veux serrer ta parole dans mon cœur. Merci pour cette parole, pour la grâce libérée avec cette parole, pour me propulser dans la gloire, dans une adoration qui emmène ta gloire sur cette terre. Je le veux de tout mon cœur. Je veux être le sacrifice sur lequel ton feu descendra, sur lequel ta grâce descendra, pour montrer à ce monde que tu es le vrai Dieu, le véritable Dieu. Et je veux de tout mon cœur t'acclamer, Seigneur, te dire merci pour cette parole, te dire ma reconnaissance. À toi la louange, à toi toute la gloire, à toi tous les honneurs, toute l'acclamation, toute l'acclamation. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la présence de notre Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre célébration et je vais vous inviter à bien vouloir prendre place. À Impact Centre Chrétien, nous avons pour bonne coutume d'accueillir toutes les personnes qui sont là pour la première fois, toutes les personnes qui ont été invitées, d'une manière particulière. Donc, je vais demander à toutes les personnes qui sont là pour la première fois de bien vouloir se tenir debout. Nous avons une surprise pour vous. Donc, si vous avez été invité, tenez-vous debout, soyez libres, tenez-vous debout. Le service de l'accueil va vous donner des petits drapeaux, simplement pour que nous puissions vous identifier et déverser sur vous tout notre amour, des grâces, des faveurs et des bénédictions. Amen. Amen. Famille CC, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour accueillir nos invités ?